du duel. Bonjour. Rétro, hello à toi, excuse-moi Vince, juste je tweet et je suis à toi, pas ok. Pas de soucis, pas de soucis. On lance du coup du duel rétro façon club Yu-Gi-Oh. Oh là là, oh, c'est beau de... Ça me fait plaisir de dire ça, comment ça va? Bah moi ça va, je suis trop content là, franchement je suis content. Hein. Bah toi ouais. Alors tiens, je sais que ton chat te connaît, les gens qui te suivent en live te connaissent, ils savent que tu joues à Yu-Gi-Oh. Mais pour mon chat, des fois, s'ils te connaîtraient pas, c'est quoi un peu ton histoire sur Yu-Gi-Oh, Vince? Est-ce que tu peux expliquer? Mon histoire, c'est que j'ai joué de 2005 à 2013. Ouais. Et que j'ai fait top à plus d'une dizaine de YCS. Ouais. Que j'en ai gagné un. Que j'ai gagné un championnat de France. Oh, en 2010, j'étais vice-champion du monde. Oh putain! Et en fait, mais ce qui est marrant, c'est que bah j'en parle pas vraiment en fait. Genre j'en parle que depuis que je fais des OP sur Duel Link, mais genre j'en ai pas trop parlé à la tout ce qui est comme Hearthstone et tout. Ils savent pas exactement tout ce que j'ai fait. Et quand ils me voient sur Hearthstone, ils disent mais c'est un mytho, ce n'est pas possible. J'avoue que le palmarès est intéressant quoi. J'avoue qu'il y a un truc quoi. Tiens Vince, je vais t'envoyer mon code ami sur le jeu. Ouais. Je te laisse m'ajouter. En plat. Ouais. Juste que je baisse un peu ton son, ils me disent. Je vais le baisser. Hop, parfait. Et je vais faire moi un petit screen. Comme ceci. Hop là. Et on va pouvoir partir du coup. Bon, j'ai une gueule improbable sur le screen. On s'en branle. T'as combien de decks du coup, Vince? Ouais, alors j'en ai fait 3. J'avais fait 3 qui sont dans ton doc, pour le D'accord. coup. D'accord. T'as copié exactement, enfin presque. J'ai remplacé Storm par... Enfin, Violent Orage par Orage Foudroyant, je l'utilise. Mais tu sais que Orage Foudroyant, si t'as des cartes face recto, tu peux pas l'activer. Ouais, bon, c'est maintenant. alors, je peux pas mettre les tirets, tiens, c'est marrant. Moi, je t'avoue, j'ai build du rétro low cost. Hein. Y'a pas de soucis. J'ai fait avec ce que je pouvais, là. Parce que je t'avoue que mon décarpi, il m'a tout bouffé. Mais Alors attends, j'ai tapé ton pseudo et ça me dit de s'abonner. Bon, je suis ton premier abonné, voilà. Yep. Eh ben écoute, t'es mon premier abonné, frère, c'est incroyable. Voilà. Soyez pas jaloux. Hop et là. Du coup, comment je fais pour te défier? Écoute, on va regarder ça. On va regarder ça. Merde, j'ai fermé ma page internet. Non, ça va. Alors... Merci Lydis pour le sub. Est-ce qu'on peut faire... T'imagines, on peut pas faire de duel, on s'est pressé à faire. Si, si, 100% on peut, c'est pas possible. Je peux pas y croire. T'imagines? Alors déjà... Ah si, j'ai des abonnés. J'ai toi et Doc. Doc et toi, du coup. Les vrais, quoi. Je peux aller sur ton profil. Je peux m'abonner aussi, du coup. Et je peux... Est-ce que t'as une demande d'amis, du coup? Non. Attends, je regarde. Attends, c'est normal que vous voyez pas le jeu. Hein. Vous êtes bien préparé. Et le jeu est nouveau pour nous aussi. Hein. Vous êtes bien préparé. Comment tu veux qu'on se prépare? Le jeu est sorti à 2h du mat, comme ça, genre en mode... Nous, faut savoir que il y a littéralement Zulu qui était dans ses chiottes, qui a posté un message dans la combe à 4h du matin. C'est littéralement. C'est tellement mais... ça, en plus, c'est vrai. C'est véridique. Littéralement, le message, c'est... Hein? Quoi? 4h30, j'ai envie de pisser. Je descends, j'ouvre mon téléphone. Je vois les gens sur Twitter, sont là en mode... Ouais, il y a le jeu qui est sorti et tout. Genre... Ok, j'ai trouvé comment on fait. Créer la salle. Ah, bah oui. Tu crées? Bon, je te laisse, j'ai créé, je te laisse m'inviter, quoi. Ouh là là! Et donc, théoriquement, là, si je fais inviter des amis, il y a Zulu et c'est parfait. Alors... Du coup, les decks que j'ai, tu les connais. Hein. C'est, je t'avais dit, j'ai Zombie, Monarque et Héros. Ouais. À la carte près de ce que t'avais fait, quoi. Oh, j'ai crafté des noueux, des rois du marais. Non, c'est pas ce que j'ai fait. Le chat, je vous filme mon idée. Parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, c'est comme sur Twitter. Tu peux t'abonner à des gens. Enfin, tu peux avoir des abonnements et des abonnés, tu vois. Donc, si vous voulez m'ajouter, vous pouvez m'ajouter. Je sais pas à quoi ça servira. Et vous pouvez rentrer le code créateur Zulu qui fait qu'à chaque fois que vous prenez un booster, il récupère 100 gemmes. Oh, t'imagines? Bon, un booster, ce serait insane, mais. T'as un code créateur sur ce jeu.
Ça serait pas mal. Trop tard, j'ai déjà mis un SMIC, gros. Genre. T'as bon, mis un SMIC, non, j'ai pas mis un SMIC, non. Non, j'ai mis 350 balles. Ok, ok. Avec quoi encore? Bah, après, c'est parce que voilà, je suis là en mode. Je fais. Voilà, c'est la Hyper Zulu production qui ralasse, quoi. C'est. On essaie de faire ce qu'on peut, quoi. Eh bien, écoute, j'attends ton invitation pour faire du duel. Attends, tu l'as pas eu? Alors, attends. Si, j'ai un petit ongle, un petit 1 dans un mi. Duel entre amis, d'accord, ok, c'est bon. J'ai pas prévu la date de sortie. Ah non, personne était au courant. À mon avis, chez Konami, il devait avoir des Ah bah, gros, j'aurais bien aimé. Hein. J'aurais bien aimé. Ok, donc t'es dans la salle. Maintenant, faut qu'on aille dans une table. On va évidemment les tables 1. T'es un habitué de la table 1. Ouais, table 1, moi je connais. Oh, alors attends. Je peux pas utiliser le zombie parce qu'apparemment, il y a des cartes que j'ai oublié de craft. Vas-y, c'est pas grave. Je rentre celui-là en attendant. Putain, c'est. Par contre, il y a un truc que. J'ai jamais vécu ça. C'est de crafter un deck avec le chat. Mais genre, avec un support numérique, c'est trop simple, quoi. Genre, t'as juste à taper le nom de la carte, tu l'ajoutes. Alors que moi, tu sais, bah, j'ai mon setup où je devais aller fouiller dans mes classeurs et tout pour build des decks. Je mettais 1000 ans et là, je suis en train de revivre, quoi. Alors, il faudra juste que je recheck les deux autres decks. En fait, je vais le faire maintenant, ouais. Ouais, vas-y, fais. Je vais le faire maintenant parce que. Je vais pisser vite fait et comme ça, on va être prêt. Ah bah ouais, bah, vas-y. Je sais pas pourquoi ça me met ça. C'est vrai que c'est mes premières parties, moi aussi. Hein. Là, j'ai toutes les cartes. Ah non, j'ai pas ça. Ah, ok. Les outils. Générer. Ok. Ok, j'ai tout. Là. Ah, effectivement, j'ai pas ça. Hop, je vais recréer. On va commencer avec ça. Comment ça se crée, ça peine cap? Oh, ils vont forcément faire des tournois sur le jeu. Après, on n'a pas d'infos pour l'instant, évidemment, ça vient de sortir, mais... Je pense évidemment que... ils ont prévu des trucs... Sauf de ce que j'ai compris, ça va être le deuxième jeu World, hein. Après, la question, c'est... Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que ça se trouve, ils vont même pas le faire? J'en sais rien, en vrai, mais... Mais je pense qu'ils sortent pas ça pour danser, quoi. Alors, je vais attendre que Zul revienne. Laissez mon son. Attends. Oh là là, quand je vais pouvoir sécher un vite champion du monde, quoi. Avec mes decks rétro low cost, ça va être incroyable. C'est quand on est chez Konami, j'ai uploadé la vidéo où tu me mords. Hein. C'est vrai? Oh, quelle trace. Ah bah, évidemment, quoi, évidemment. Évidemment. On a qu'une envie, c'est de te voir soulever des titres, Zulu. Écoute, je vais essayer, quoi. Après, il y a pas beaucoup de titres en Yu-Gi-Oh! Rétro, quoi. On veut que tu joues Exodia. J'ai pas Exodia.
J'ai pris 3 zones deck. Attends, Doc, il dit un truc intéressant. Il dit, ça y est, je suis silver, je trouve plus aucun adversaire. Ah bah ouais, mais bon, gros, si t'es monté trop vite aussi... T'as, mais tu, du coup, Doc, il saigne le jeu. Parce que d'habitude, Doc, mais... il est en mode serious business. Tu sais, Doc, il a des... Il a des employés et tout, tu vois. Du coup, il est là en mode, non, mais si je bosse pas aujourd'hui, mes employés bossent pas. Et du coup, je perds 58 euros à l'heure, tu vois. Et tu vois, il est comme ça. Et là, en gros, il a juste envie de trop signer le jeu, quoi. Et c'est normal. C'est ça, le mec qui a pas pris de douche, ça fait 8 heures qu'il joue. Demain, il va essayer de convaincre le monde entier que Gret Majou, c'est fort parce qu'il a battu des dragons étincelants. Enfin, c'est ça. Alors, par contre, il dit, je trouve plus personne. Il dit, j'ai mis 30 secondes à trouver quelqu'un. Bon, bah, ça va, 30 secondes. Est-ce que tu es readies ou est-ce que tu as... Je suis ready, gros. Je suis vraiment ready. C'est là. Parti. Normalement, j'ai cliqué sur commencer. Je pense que toi aussi, tu peux et avoir cette option. Je te le dis. Franchement, j'ai vraiment fait des decks pour qu'on s'amuse, quoi. C'est vraiment des trucs rinsax. Mais je vois que monsieur est Nash Blossom en 3D, quoi. Non, mais on se fait plaisir. Hein. Ça, c'est important. C'est... Ah ouais, par contre, du coup, on joue en rétro, mais avec la règle du premier ne pioche pas. Ah oui, merde. Ah, ça change tous mes decks du coup. Ça change tous mes decks, pas du tout. Bah, bonne chance à toi, Vince. Vas-y, bonne chance à toi, hein, n'hésite pas. Hein. Alors. Mes cartes qui brillent et tout, quoi. Hop, petit monstre en défense. Tu penses quoi du terrain? Je trouve qu'il a de la gueule ou pas? On est vraiment sur du rétro. En vrai, c'est cool avec le terrain qui se fissure et tout pendant les matchs et tout, c'est vraiment cool, quoi. Ce qui est très bien avec le skin que j'ai acheté là, c'est qu'elle se fout de la gueule de l'adversaire quand je lui mets des dégâts. Et ça, c'est incroyable. Alors, vas-y, on va battle. Hein. Qu'est-ce qu'il joue Tu sais, j'ai déjà oublié les decks. Ok, ah ok, tu joues. Celui-là, tu le connais normalement. Celui-là, je le connais, on est d'accord. Alors, mon petit Vince. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué en rétro. Tu vois qu'il y a un problème parce qu'on a tous les deux pas d'extra, quoi. C'est vrai. Après, tu pourrais avec des fusions. Il y a des terrains achetables, oui, je pense. Oui, t'inquiète, hein. Tout ce qui est skinable, tout ce qui est skinable va être achetable. Timezuki, hein. Ouais, c'est une commune. Ah non, c'est une super qui m'a coûté 30 gemmes. Attends, SR, c'est super. Ouais. Ah, je crois que c'était secret rare. Ah oui, non, c'est une super. Attends, une super. C'est si chaud à trouver. Bon, bah, bien sûr, on va activer l'effet. Hein. Fais-toi plaisir. Hop. Tu fais quoi avec ta tortue maintenant? Ah, bah oui, c'est vrai. Tu fais ça et tu vas chercher le gros. Mais ça va, les gens sont contents parce que, en vrai, en tout cas au début, tu gagnes des gemmes vraiment très vite. Et ça, c'est cool, quoi. Putain, le Seigneur Vampire, une de mes cartes préférées. Le jeu est free-to-play friendly, en vrai, pour commencer, hein, pour le coup. Oui, c'est alors, juste que... Qu'est-ce que je te meule? Qu'est-ce qui vient de meuler dans ton deck? Ah oui, tu peux me dire choisis magie, piège ou... Ouais, c'est ça, quand je te mets des dégâts, je peux te forcer à envoyer une magie, un piège ou un monstre. Et j'en sais rien, je sais même pas ce que tu joues. Vas-y, un spell, hein. Un monstre, ça peut être à ton avantage en vrai, j'en sais rien. Allez hop. Et tout ce qui est cimetière retiré de la partie, ça te paraît visuellement bien, toi? Bah oui, en vrai. Oh oui, non, c'est pas une question piège, moi je trouve ça bien pour le coup. Vas-y, réfléchis. Donc là, pour ceux qui comprennent pas dans le chat, sa créature, à chaque fois qu'il invoque, à chaque fois que je lui tape sa créature là, il peut invoquer une créature qui a moins de 1005 en attaque. Exact, qui est elfe du coup. Qui est lumière, pardon. Ce qui est différent. Là, l'idée, c'est qu'il cycle les anges pour gagner du temps, mais il y a un moment, il en a plus, quoi. Exact. C'est vrai. Sauf que lui, c'est un ange un peu badass. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas du tout. La seule histoire que j'ai sur cette carte, c'est qu'elle a gagné le tout premier championnat d'Europe de Yugi. Parce qu'il a une hache du désespoir, mon pote. Quel enfer. Et ouais, du coup, il fait un peu plus peur, hein. J'avoue que là, il fait un peu plus peur. Et il va juste défoncer ton Seigneur Vampire. Seigneur Vampire qui est très très chiant à gérer parce que à chaque fois qu'il meurt par un effet, il revient à la stand-by, quoi. Et ça peut vite devenir cauchemardesque, quoi. Ah, la petite hache des... Tu sais que je l'ai même pas crafté, je l'ai looté, en fait. Et je me suis dit, vas-y, c'est le destin. Ah, mais il y a même une MP, quoi. Quel enfer. J'ai même un fragment.
J'ai peut-être mis un peu trop deux dans le même panier là. Pourquoi j'ai posé une MP, moi? Parce que là, sur défendre, un petit violent, je suis pas bien, quoi. Après, j'ai pas vraiment violent, du coup. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que t'as mis un orage foudroyant dans ton deck rétro. Ouais, mais tu m'as dit qu'il y avait une condition. C'est vrai. Alors, j'ai un peu fait un maître des zombies. Oh, très bonne carte, ça. Du coup, je vais activer l'effet, donc je peux défausser une carte et invoquer un zombie, du coup. Ouais. Évidemment, défausser ça, qui est une horrible carte. Mais t'es obligé d'avoir déjà une target dans ton cimetière pour activer son effet. C'est ça. Tu dois avoir une target dans le cimetière, et une fois que t'as target dans le cimetière, tu peux potentiellement invoquer celui que tu défausses, pour le coup. Tu sais que le deck que tu joues, là, ouais, c'est un de mes tout premiers decks, entre gros guillemets, compétitifs. C'est-à-dire... Moi, je savais pas du tout. C'est vraiment le... Tu vois, j'étais dans une asso Yu-Gi-Oh! À Dunkerque et un jour, il y a un mec qui m'a fait « Vas-y, monte ton deck et joue zombie. » Est-ce que cette asso s'appelait Duel X? Non. Non. C'est une asso qui existait. Hein, c'est vrai. Coup. Non, c'était au jeu de maille à Dunkerque, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui reconnaîtront. Bref, et t'as le mec qui a fait « Ah, tu joues zombie !» Et a dit « Ah, mais faut pas que tu le joues comme ça, en fait. Faut que tu joues ça, ça. » En fait, le mec m'a donné des cartes. Il m'a donné des cartes, il m'a build mon deck, il m'a expliqué comment le jouer et il m'a fait « Bon, bah voilà, ton deck est prêt, maintenant tu vas affronter lui. » Et en fait, lui, c'était le boss master du DC, tu sais. Et j'étais là, vas-y, ok. Et j'ai gagné. Voilà. J'ai gagné la première manche. Et j'étais refait, tu sais, j'avais 14 piges, tu sais, genre, j'étais là en mode... j'avais jamais fait vraiment de game avec des gens qui tryhardaient le jeu, tu vois. Et c'est ça qui m'a mis de ouf dans Yu-Gi-Oh! La grande question, c'est comment se gère un 2400, l'Azul? Écoute, je sais pas. Bah avec ma grande fissure. Non. Ah si, j'ai une grande fissure là, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça s'active pas, je l'active. Oh putain le bâtard. Ok, j'ai le seum. Ok, j'ai vraiment le seum. Et là du coup c'est double peine, parce que je perds ma hache et j'ai même pas l'effet de mon ange. Quoi. Ouais, je fais un petit CA plus 1. Ah, je t'ai respecté, j'ai mis la tortue pyramide en défense parce que j'ai vu que dans les decks du club Yu-Gi-Oh! Il y avait des forces miroirs quand même. Ouais, c'est vrai. Putain, il met des claques important. Ton deck hein. C'est toi qui les as fait, hein. Ça, moi, tu sais. Il met des claques. Après, pour détruire tous tes monstres... Ouais, non, je suis baisé, en fait. Après, si t'as fait le solo niveau 1, il t'offre un Rageki. Hein. Ouais, mais il faut l'avoir, gros. Enfin... Déjà qu'on n'a pas de pot de cupidité, alors... Oh, intéressant, ça. Alors, du coup, un jour de paix, c'est quoi? C'est pas de dégâts pour les deux joueurs pendant un tour, c'est ça? Ouais. Attends, je veux trop essayer un truc, du coup. Ok, donc là, tu peux payer pour invoquer les boules. Ok, vu que je paye, je prends les dégâts quand même. Ok. C'était ce que je voulais voir. Mais est-ce que tu as un gâchis-gâchis en tête sous? Mais du coup, c'est nul, mon play. Vraiment, mon play, il est oui, nul. Elles sont pas gratuites, du coup, les boules. Bah ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, je prenais quand même pas de dégâts. Donc, ce play, vraiment, pue la merde, quoi. Ne faites pas ça chez vous. Moi, j'en tiens avec mes potes. Est-ce que j'ai moyen de refaire le deck sur ma sœur de Louis? Pour le coup, totalement. Ok, c'est on va que, faire l'effet. Pour être honnête avec vous, j'ai pas l'impression qu'ils aient pensé le jeu pour les fans de rétro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ladder rétro, ou en tout cas, enfin, j'ai pas vu ce genre de truc. C'est des trucs qui, à mon avis, peuvent arriver. Mais pour l'instant, voilà, il va falloir être un peu patient. Vraiment, nul à chier ce tour. Hein. Vraiment. Mais moi, ce que je pense qui peut être vraiment très sympa, c'est tu trouves un de tes potes qui veut faire du rétro ou quoi. En free to play, je pense qu'il y a grave moyen de se faire un deck en moins d'une semaine en jouant. Et tu peux juste jouer avec tes potes et pas te prendre la tête avec le ladder. En fait. C'est exactement ça. C'est exactement et je pense ça. Vraiment que le jeu est grave adapté pour quoi. Non mais tu vois, par exemple, moi, je suis pas en OP. Tu vois, peut-être que je pense que je vais le faire, tu vois. Je vais faire sur mon Discord, je vais faire des options pour que, enfin, des channels pour que les gens ils puissent trouver des gens avec qui jouer sur Master Duel, tu vois. Comme ça, les gens qui veulent jouer en rétro, ils joueront en rétro ensemble, tu vois. Enfin, il y a des trucs comme ça. Si un jour tu nous organises un tournoi, bordel. Bah, ce serait bien. Mais moi, j'aimerais bien que le tournoi il soit géré en dur dans le jeu, quoi. Bon, j'en demande beaucoup, hein. Ouais, j'avoue que là, tu grides un peu. Putain, j'ai vraiment fait de la merde là. Mon play était vraiment nul. Là, tu vas pas prendre de dégâts si jamais je t'attaque. Ah ouais. Pour la forme, si jamais il y a des trophées ou des conneries. Comment? Pour la forme? Ah oui, d'accord. Ah, mais il y avait des jeux à l'époque où
Je me rappelle un jeu, je sais pas si c'était Spirit Killer ou un autre jeu, mais au plus tu faisais, enfin ouais, il y avait des genres de mini au fait dans les games et tu gagnais plus de points à la fin de la partie si genre tu finissais à un score rond, tu vois, genre des trucs comme ça et tout. Même le nombre de dégâts infligés, genre si le mec a 1500, tu l'attaques avec un 1004, puis après avec le 3000. Ouais. J'ai l'impression que Zulu est un peu dans la panache map. Après, t'as le fragment. Il est à 2, je pense. Ah oui, j'ai le fragment. Ah oui, c'est vrai. Putain, bien vu. Bien vu, bien vu. Le fragment, potentiellement, on peut te débloquer. Ouais. Allez, on va jouer un petit Mudora 2005 d'attaque. Ah oui. Ah lui, il envoie. Lui, il envoie. Et vu que je suis énervé. Voilà, on va mettre. Ah, mais ça t'a totalement débloqué en fait. Très bien, non, mais je vois. Non, mais y a pas de soucis, je passe un bon moment ici. Hein. Ouais, ouais, je vois. Bon, tu prends ton. Sympa, Tu prends ton maître des zombies pour faire un X6, certainement. Oui, bah avec mon extra deck, et là, tu vois la pierre tombale, il y a écrit 0 là. J'imagine. À toi de jouer, mon petit Vince là. Putain, c'est tellement différent les games rétro, les games compétitifs, tu vois. J'aime beaucoup ce ping-pong, tu vois, que t'as dans le jeu rétro, Il y a un vrai échange de ressources. Putain, tu l'as crafté là où... t'es investi, hein. Je l'ai ouverte. J'ai mis moins que toi, pour tu le coup. Tu l'as ouverte. Ouais. Oh, l'animation. Oh, l'animation incroyable. Ouais, le problème, c'est... Non, mais alors, Vince, tu crois quand même pas que je vais te laisser, bah, voir. Vas-y, on va ramener ça. Alors. Et je vais faire l'effet de mon Mezuki. Oh merde. J'étais là, ok, y'a pas l'étal. Oh non. Pour invoquer mon poteau, le seigneur vampire, je vais te tuer avec ta carte préférée. Ouais, bien vu. L'une de mes cartes préférées, j'en ai plein, mais... Mais elle fait partie. C'est quoi la carte, genre, si tu dois en retenir une? Je dirais Cyber Harpy, quoi. Ah, évidemment, oui. Je dirais Cyber. Moi, c'est Cyber Bouclier, très bon souvenir, je sais. Vince qui avait joué Harpy au tournoi du Lynx. Aïe, aïe, aïe. Bon, Vince, c'était mon meilleur deck, par contre. C'est vrai? Non. Attends, je peux pas changer de deck, là? Bah, si, moi aussi, je vais changer, en vrai. Je vais prendre les autres. Ah oui, parce qu'il faut que je quitte la table, d'accord, ok. Ok, c'est parti. Let's gong. Non, mais en vrai, il y a des cartes comme ça, rétro, qui m'ont marqué. Tu vois, Seigneur Zombie, justement, dans le deck que tu joues, moi, je l'avais en ultra rare à l'époque, tu vois. Et tu sais, quand t'es gamin, bon, toi, t'avais pas ce côté-là, parce que toi, t'es un champion et t'étais là pour la gagne. Mais moi, alors, j'avais non, vraiment justement, ce côté j'étais affectif. J'étais un malade mental, moi. C'est vrai? Ah oui, fallait que mon deck soit en rareté max, quoi qu'il arrive, par exemple. Ah ouais? En rareté ouais, max? Ouais. Ouais, j'étais un malade mental. Mais ça peut coûter cher, ça. Le dernier championnat d'Europe que j'ai fait, j'avais deux sarcophages dorés en shonen. Et ça vaut? Maintenant, ça vaut beaucoup plus que ça valait avant, mais à l'époque, ça valait 1000 balles pièce, quoi. Et, ah ouais. Et genre, il était hors de question que je joue sans. Ah d'accord, tu faisais un peu la princesse, quoi. Bon, j'ai commencé le premier, donc vas-y, je te laisse choisir. Tu préfères quoi? Ça a quitté. Comment ça a quitté? Bah je sais pas. J'ai trop d'élo pour jouer avec toi, en fait. Comment ça? Je rigole. Non, juste ça a quitté, ça a bugué. Ok, bah vas-y. Tu laisses me réinviter. Ah bah c'est bon, je peux le... Vous n'avez pas pu entrer dans la salle car vous êtes déjà dans une autre salle. Ah, donc si je vais Oui, et moi du coup là j'ai les couleurs du PSG dans l'espace, donc je vais devoir relancer le jeu entier en fait. Ok. Ok, attends, je peux peut-être te rejoindre. Non, bah, je vais fermer le jeu. D'accord. Merci Luby Ludic. Bon, par contre, ton studio, c'est un banger, hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais... C'est bah ouais, mais maintenant, il sert un peu... il sert un peu moins bien, quoi. Enfin, comment dire... Si, je peux toujours faire de l'IRL à la maison, mais je veux dire, aujourd'hui, quand je vois la facilité que t'as à deck build, à faire des duels, tu vois, avec des potes et tout, je me dis, bon, bah, ok, le jour où je veux faire des trucs à la maison, je suis carré, le jour où je veux faire un deck, j'ai les cartes et tout. Mais...
Mais il est plus aussi mandatory qu'avant, tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que le jeu est gratuit? Oui, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur Steam, les gars, ou sur console si vous avez une console. Ce matin, il y avait quand même du monde qui attendait. Hein. J'avoue que leur tweet à 2h du matin, c'était bizarre, mais. Est-ce que tu peux commencer le duel là? Ou pas du tout? Alors, une erreur s'est produite chez moi. Je vais casser. Le jeu est cassé. Non, mais ouais, c'est ça. Ouais. Et là? Attends, je suis en attente de l'adversaire. Ok, c'est bon. Et là, est-ce que tu m'entends? À moins d'être mute, mais je t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Ok, non, je teste juste mon bouton pour mute sur Discord, en fait. Parce que j'ai un raccourci et du coup, je testais. Ok, ça a bugué, du coup. Ça m'a mis aucune réponse du serveur de jeu. Aïe, aïe, aïe. Ok, le jeu est cassé. Ah, c'est ne les le téléchargez plus. Ah, moi, je suis dedans. Ah, ça se trouve, je vais pouvoir rejoindre, je sais pas. Pas du tout. Putain, t'es Silver 2, déjà? Non, j'ai pas fait une seule partie. Ah, non, t'es Rookie 2. J'ai pas fait une seule partie, pour le coup. Que si je mets 10 000 euros, j'ai toutes les cartes. Non, mais y a pas d'intérêt en vrai. Si, quand t'es créateur de contenu comme moi, quoi. Oui, mais c'est différent. Alors, du coup, c'est quoi ton écran là? Parce que moi, je suis revenu dans le lobby. Je suis dans le duel, moi. Ok, je pense qu'il faut quitter. Enfin, j'ai le PSG en. comme t'as dit là. Ouais, bah, je pense qu'il faut quitter. Ok, vas-y, quitte et je relance. Bon, on essuie les premiers plâtres hein, sur le jeu. Première fois qu'on fait des duels, du coup. Bah. Au contraire, j'imagine qu'on est carrément les premiers à utiliser ça, donc on pourra faire des retours, tu vois, et ça, c'est quelque chose qui est cool. J'avoue. Le retour, ça marche pas. Surtout qu'on est horrible. Donc, moi, je me rappelle, quand on est chez Konami, moi, je posais des questions horribles. J'étais... Mais bien sûr. Du coup, non, pas deck. Je cancelle. Hop là. Hop là. Et commencer le duel. Vas-y, je clique aussi. Ouais, tu peux faire que 20 decks. Première défaite en ladder pour l'instant, je suis deg. J'ai rage quit. C'est bon, okay. T'es dans le versus là? Non, je pense que c'est le lobby qui est cassé en fait. D'accord. Je pense qu'il faut refaire un lobby entier. Ok. Eh bien, on refait le lobby entier alors. Ouais, mais un peu quand Doc, même. Doc, il a perdu contre dépendu, il a le seum quoi. Bon, bah je reviens, je requitte le jeu. T'es ouais, pas dedans, mais d'accord. Non, là, je suis pas du tout dedans. Est-ce que tu peux m'inviter, toi? Ouais, je relance le jeu. Temps de jeu, 6h04. Ça va vite, hein. Le temps passe... Bon, après, j'ai téléchargé pendant une heure. Hein. Elle ouais, était longue, sur PC, c'était l'enfer. J'étais en même temps que ouais. Toi, c'était horrible. Mec, sur Switch, c'était... C'était une minute, quoi, genre, même pas. Alors que pour le coup, j'ai une connexion qui est vraiment, vraiment bonne. Ah ouais, non, mais moi aussi, hein, t'inquiète. Bon, de toute façon, tu connais, hein, le streaming, mais... Ouais. Eh bien, c'est duel. Participant. Je vais. Je m'en vais. Je quitte cette room. Créer une salle. Ah, tiens, c'est intéressant les paramètres. Commentaire de la salle aucun. Effectif maximum de la salle 6. Interdite limitée. Vous voyez, il y a un onglet pour changer la banlist. Mais il n'y a qu'une seule option pour l'instant. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Mais s'ils ont prévu l'option. C'est qu'ils vont en mettre d'autres, quoi. Temps du duel normal, life pawn, c'est bon. Recrutement des j'avoue. Membres. On, ok. Je vais mettre un mot de passe. Bon, t'as même pas besoin, hein. Théoriquement, t'es censé pouvoir m'inviter, en vrai. D'accord, ok. Moi, pour le coup, j'ai pu te sélectionner et t'inviter quand j'ai créé tout à l'heure. Inviter des amis. Vince. Voilà, je t'ai invité. Détail de la salle. Ok. Je viens de donner l'identifiant de la room en live, tout va bien. Si la connexion est perdue, malgré certains. S'agit alors, vous n'avez pas pu entrer dans la salle parce que vous êtes déjà dans une autre salle. Il faut que tu quittes. Ok. Et tu comment je fais pour la quitter? Bah, tu. Au-dessus de ton choix de deck, il y a marqué je m'en vais. Je m'en vais. Ah! Le ladder non, fonctionne plus non plus. Ah! Le jeu bug, en fait.
très mauvais timing, ça. Je reconnais, ça, c'est un timing de merde. Tu vois, le studio, il est pas si inutile que ça, tu vois. Participant hôte. Ah, c'est dissoudre, je pense. Ok, là, à mon avis, je peux te rejoindre. Trop de monde sur le jeu, peut-être. Non, je pense pas, là, ça y est, j'arrive. C'est bon, je suis là. Ok, on va essayer, mais à mon avis, j'y crois pas. Ouais, je suis dans la salle Zulu, là, c'est bon. Bon, si ça marche pas... Ouais. Moi, j'y crois. Non, une erreur s'est produite. Non, à mon avis, vraiment, il y a un problème. Ouais, donc toi, si t'as mis une erreur, et moi, je vais avoir l'accès au truc, ouais, c'est ça ? Je pense que c'est ça, ouais. C'est cassé ! Je suis abattu ! Je suis abattu ! Là, tu lances un live exprès. Marche pas. Terrible. Non, pas sympa. Ah, mais je le savais, hein. Ça c'est la Switch. Hein. Bon, bah on est reparti pour du deck build et on réessaye dans une demi-heure, c'est quoi le truc ? Ouais, bah vas-y, y'a pas de soucis, on se rejoint à 16h30. Allez ! À tout à l'heure, je vas-y, repasse. Vas-y, à toutes, Vince. Bon, eh bien, dommage, unlucky timing. On va se faire du deck build un peu. On va regarder. On continue de deck build du rétro. On essaie de se faire un deck à la doc avec ce qu'on peut bricoler. Ah, mais ma joue, c'est SR, donc il faut que j'oublie. Ouais, mais non, ça marchera pas, en fait. Je peux pas faire ça. Je peux build du rétro. On va build du rétro. On va build du rétro. Qu'est-ce qu'on peut build en pas cher en rétro que je pourrais utiliser contre Vince ou d'autres. À savoir qu'on a déjà... Ah, je peux faire un deck Slifer. Je peux faire un deck Slifer. Bon, c'est pas très rétro, ça, Disciple de Rat. Monarque, j'ai pas le structure. Ah, sinon, je peux lancer le mode solo et continuer le mode solo. Protecteur du tombeau, j'ai pas les cartes non plus. J'avoue que c'est peut-être plus utile que j'avance dans le mode solo. Vas-y, je vais faire ça. Ça sert à rien de bidouiller ici. On va avancer dans le mode solo. Et dès que ça revient, n'hésitez pas à me tenir au courant. Bon, c'est quoi vos premiers ressentis, là? Ça sert à rien. On est d'accord que... Ne pas faire les entraînements... Les entraînements, ça me débloque que des... Ouais, vas-y, je peux débloquer les sous aussi. C'est bien, débloquer les sous. Insane. Je suis choqué, le jeu à drop comme ça. Oui, ça, c'est clair que... C'est surprenant. Pourquoi on a que deux cartes ? Essayez une invocation synchro, ok. J'ai rien dans mon cimetière. Merci à toi, Lowlace, pour le sub. Merci beaucoup. Combien de joueurs sur le jeu ? À mon avis, on peut le voir sur Steam, non ? Y a pas une option ? Y a pas une option. Dans les 160K sur Steam. Ok, plus les gens sur console et tout. Ah mais j'ai double invocation, je suis bête. Ah, quelle bonne pioche. T'as vu, il y a les cartes harpies, bah heureusement. Heureusement. Bon, il nous apprend à faire des synchros. Hop là. C'est vraiment chiant qu'on puisse pas double sélectionner. Salut, les offres bundle sont-ils intéressantes ? Oui. Le Game Pass et le bundle, c'est très intéressant. Go installer, eh bien go. Essayez d'attaquer avec un monstre. Bouh.
Il y a quoi? Est-ce qu'il y a des staples encore compétitifs ou rétro à débloquer dans le mode solo? Putain, ça ralasse, hein, 600. Perso, j'ai avancé dans l'histoire, ça débloque plein de portails. Ouais, j'avoue. Dans le futur, on a la possibilité de faire du ladder en BO3. Écoute, je ne sais pas. Rota dans le tuto, ouais, je l'ai déjà eu. J'ai eu Raigeki, Rota, Monster Reborn. Zul qui regrette d'avoir lâché 300 balles. Non, en vrai, non. Parce que c'est... Je vais quand même les mettre, ces euros-là. Je vais quand même les mettre. J'ai... Oh, franchement, ça me fait rien du tout. Juste, je regrette dans le sens où... Sur le ladder, si je rencontre que des gens qui ont pas de bon deck, ça va me saouler, quoi. Parce que je vais être là, bon, bah, ça sert à rien d'avoir payé juste pour survoler le game, quoi. Alors que si tu... Si t'as un mauvais deck, mais tu joues contre des gens qui ont un mauvais deck aussi, les games, elles sont intéressantes. C'est plus ça. Mais de toute façon, les cartes, je vais devoir les débloquer pour faire des decks, donc aucun problème. Merci Nax60 pour le Prime, merci beaucoup. Vous êtes super nombreux sur la chaîne aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Sachez que demain et après-demain, je vais chez le stream. Donc je pourrais pas faire de live, je pourrais pas faire de gros live en fait. Donc je profite vraiment de jouer à fond aujourd'hui. Mais ce week-end, lundi, mardi, mercredi, je vais rejouer à Donf, quoi. Et il faut savoir qu'il faut aussi que je recorde des trucs pour YouTube. Donc je pourrais pas faire non plus full stream. Vraiment aujourd'hui, c'est vraiment ma journée où, voilà, je sais que je me donne l'info. Tiens, justement, tuto pendule, on en parlait tout à l'heure. Bon, je referai tous les tutos en mode expliquer easy sur ma chaîne. Jamais joué de pendule, mais je connais le principe. Hein. Hop là. Je pense que le tuto expliqué, ça parlera à plein de monde. Essayez de faire une invocation pendule. Hop là. Les animations sont chouettes. Hein. Serveur donne. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Putain, j'aimerais bien bouffer un truc, mais... J'ai rien sous la main. Les animations sont vraiment ouf. En fait, ce qui est cool, c'est qu'elles sont belles et c'est rapide. Tu vois? C'est... Franchement, c'est vraiment cool. Ils ont bien bossé. Si jamais j'avais écrit sur Card Game de super tuto Link, Pendule, Synchro et Xyz. Le crack. Non mais de toute façon, je sais comment ça marche, hein, c'est pas le problème. Putain, ça ralasse. Tu feras un deck Joey? Ouais, je ferai... De toute façon, je ferai tous les decks. Hein. Je ferai tous les decks. Enfin, un maximum, quoi. Alors. Lien assassin. Ah, c'est pour faire des links, là. Ah, faut que je me rappelle de l'effet des cartes. Ah, elle se spé. Parce que j'ai rien. Elle se norme. Ah non, ça vox spé, d'accord. Et elle, quand il y a un lien, elle se spé. Ok. Essayez de faire une invocation lien. Bon, bah là, on connaît. Hein. On fait lien 2, puis... En fait, ça explique ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce matin même. Quel deck conseilles-tu pour démarrer? C'est une question très complexe. Enfin, j'ai du mal à répondre à cette question parce que ça dépend de vos objectifs sur le jeu, mais tu peux prendre les 3, franchement... Regarde dedans s'il y a des cartes qui t'intéressent plus que d'autres, quoi. Tu peux regarder la liste. Oui, c'est du tuto, hein. N'empêche que mon tuto de ce matin était bien, du coup. Si je fais exactement la même chose que ce qu'ils ont fait.
Hop là. Faut 3 matos Link. Si t'as un matos Link 2 plus un monstre, ça fait 3 matos Link. Ça marche. Décodeur bavard. Veuillez attaquer avec un monstre. J'ai commencé avec yeux bleus, mais du coup, là j'ai fait une bonne partie du solo. J'ai 8200 gemmes. Ah ouais. Mais je sais pas partir sur quel deck. Ah! Ça dépend ton niveau, ça dépend ce que t'as envie de jouer. Parce que si t'es très compétitif, je te dirais pars sur un tri-brigade. C'est à mon avis ce qui est le plus facile à craft et le plus fort. Dans le ratio. Après, sinon c'est dur quoi. C'est dur à dire. Sinon, ouais, une 10 graine majou, mais regarde, toi, Doc, même toi, t'as pas pu tout craft. Après, voilà, est-ce que t'as déjà joué des trucs hors du tuto? Ah, il nous montre le lore, c'est vrai. Dans ce monde, certains êtres incarnent... Non. Dans ce monde... Certains êtres incarnaient le concept de destruction. Leur apparence... Leur apparence et leur comportement distingué étaient dignes de monarques. La raison qui poussait ces monarques à détruire le monde était un mystère. Avec le pouvoir Palamongo, ils réduisent à néant tout ce qu'ils croient. Désolé. Bon, je vous laisserai le lire chez vous, hein. Hop là. J'étais pas prêt, désolé. Je peux faire Jinzo aussi si vous voulez. Oui, bonjour, ici Jinzo. Ici Jinzo. Le fameux, hein, le fameux Jinzo. MDR, je me suis dit, waouh, ouf le doublage. Alors, on joue Monarque. C'est bien parce qu'on va récupérer le deck de structure Monarque derrière. Bon, par contre, comme tout jeu que tu farmes de ouf, les musiques, j'en peux déjà plus. Hein. Invoquer Idea. Alors, elle me permet d'invoquer Eidos. Et vu que j'ai deux monstres, et que je peux refaire une invocation par sacrifice, je peux sacrifier les deux. Et lui, il va péter trois magies ou pièges. Non. Incroyable. En vrai, ça va les musiques. Non, mais on est d'accord. Mais comme tout jeu que tu farmes, au bout d'un moment, bon. Tu vois, t'en as marre, quoi. Ah! Est-ce qu'elles vont être détruites? Oui. Elles vont être détruites. Putain, là, les chaînes, c'est magnifique, hein. Voilà, il nous a juste fait perdre du temps, voilà, merci. Attaquez directement votre adversaire. Bam! Putain, par contre, pour avoir testé sur Switch et sur PC, gros, jamais je remets les mains sur le jeu sur Switch. Hein. Je peux plus entendre l'OST de... Ah, Dofus, j'avoue que des fois, j'aime bien écouter quand même. C'est quoi les trucs récompenses de victoire, là? Merci l'homme lastique pour le Prime. Excuse-moi, je t'ai pas vu. Drophase. Dragon du tonnerre. Je défausse. Je pioche dragon du tonnerre x2. Alors. C'est un vrai duel qu'il me propose là.
Une fois durant ce tour, si vous allez sacrifier un monstre pour invocation sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire. Même si vous ne le contrôlez pas, vous ne pouvez activer qu'un tempête des monstres. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais bien faire une transaction. Vous pouvez envoyer au cimetière deux cartes magie ou piège. Je sais pas ce que je suis censé faire. Je connais pas les monarques. Ah, c'est peut-être pas mal. Bon. On va piocher deux quand même. Parce que si je chope le méga monarque de glace, ça va m'intéresser. Par exemple, lui. Ok, ensuite. On va activer l'effet, on va faire la même que dans le tuto. Hein. Putain, trop fort, quoi. Le tuto qui me sert. C'est sur iPhone? Alors, oui, c'est sur iPhone. Je sais pas si le jeu est déjà sorti sur iPhone. Mais normalement, il va sortir sur iPhone. J'ai pas beaucoup plus d'infos. Hop là. Alors, il va me faire exactement la même chose que dans le tuto, sauf que cette fois-ci, il détruit mon mob. C'est chiant. C'est chiant. C'est archi chiant. Alors... Non, je vais rien jouer. Alors du coup, c'est embêtant, là. Ok, Eidos. Eidos permet de faire... de réinvoquer l'autre, hein. Parce que si j'ai Eda, je peux invoquer un gros, mais si j'ai Eidos... Non. Ah, si. Ok. On s'en sort. Attends, je vais pouvoir invoquer un autre Eidos. Wouah, c'est strong. C'est vraiment fort. Ciblez un monstre sur le terrain, détruisez-le et... Cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer au cimetière de cartes magie ou piège monarque. Mélanger. Une fois par tour, durant votre main phase, si cette carte... Et dans votre cimetière, vous pouvez défausser une carte. Bon, vu qu'il a pas de mob. Pah ! Tra la gueule du truc. Ok. C'est quoi le meilleur deck contre l'Irilusque, Tribrigade ou juste Tribrigade ? Je sais pas. Je sais pas te dire. Je suis, franchement, ça fait 6 mois que j'ai pas tryhard le compétitif, donc je peux pas te dire je vais pas te dire de bêtises. Merci à toi Pépé Luc pour le sub. Merci beaucoup. Je me suis trompé dans l'effet. Je crois que c'était les ramener en main, mais en fait pas du tout. Du coup, j'ai fait le mauvais effet. Enfin, j'ai envoyé les mauvaises cartes. Konami vont nous proposer des NFT en Master Duel. Je ne sais pas. Je ne bosse pas pour eux. Enfin, si, je travaille pour eux en tant que créateur de contenu, mais je suis pas dans les bails, les gars. Oh bah, ce duel est palpitant. Encore une tempête. Oh, je peux encore faire ça. Putain, c'est fort. Bon, par contre, je peux plus activer son effet à elle. Invoquer. J'ai failli sacrifier le gros. Ça aurait été terrible. Bam! Sélectionner une carte à... Oh non, c'est une obligation! Super! Je suis heureux! Ah bah voilà, hein. Et oui, parce qu'en fait, Zaborg, il a un effet. Son effet n'est pas optionnel.
Et son effet, c'est quand il arrive, il détruit un monstre. Et ouais. Ah, c'est ce qu'on appelle être un génie, hein. Là, on est d'accord que vous subventionnez une chaîne d'un mec. il est bourré quand il joue, hein. Rajouter. Ouais, c'est nul ça comme carte, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, cela dit, j'aurais pu le faire quand même. Donc là, j'ai activé l'effet du gros pour ramener celle-ci en main. Move à 2000 IQ. Ah, c'est pas donné à tout le monde, Yu-Gi-Oh! Hein. Ah, panthéisme, c'est pas mal. Seulement... Je vais juste aller gagner cette game, en fait. Est-ce que les duels sur le ladder refonctionnent? Ou est-ce que vous êtes tous en mode solo, là? Alors, hop là. D'ailleurs, ça... Ah non, ça monte mon niveau, pas mon Game Pass. Fonctionne une fois sur 6. Ah. Emprunt, nouveau deck. Oui, du coup, c'est quoi ça? Un arbre qui... Pour déverrouiller des chapitres. D'accord. Alors, je vais débloquer le deck Monarque, c'est bien ça. C'est bien. Je le vois même pas sur le jeu Steam. Ah, c'est parce que toi, tu es belge. Voulez-vous aller au magasin? Pourquoi? Ah, ça y est, je l'ai acquis. Oh. C'est beau. Bloqué. Impossible de débloquer. D'accord. Ok, j'ai le seum. Ah, il y a beaucoup de trucs quand même. Il y a archi beaucoup de trucs, hein. Allez, belle, je suis désolé, vous avez un peu le mort, hein, mais... Alors... Je suis pas encore allé là, hein. Problème, d'accord. Je veux surtout aller débloquer des trucs pour ouvrir des cartes. Waouh! Remporter un duel en mode solo. Et ça donne de la gemmasse, hein. 1600 gemmes. Plus 50 super rares, là. 50 ultra. Waouh! En vrai, ça va. En vrai, tu veux te faire un deck, tu fais le mode solo. Tu t'en sors, hein. T'as un booster gratuit. Ah ouais? Où ça? Comment tu le vois que j'ai un booster gratuit? Je t'ai dit de farmer, c'est un délire. En vrai, ça va, parce que les gens, ils... Bon, je peux comprendre que vous avez un peu peur, tu vois, mais... Un pack bonus. J'ai pas vu. Ah! C'est les boosters à deux cartes. Allez, un Blue Eyes, un Blue Eyes. On se fait troll. On se fait troll. Bon, les gars, il est 16h. Je reviens. Je vais juste me chercher à Graille. Allez-vous chercher à Graille aussi. Comme ça, il est 16h20. Comme ça, je prends 10 minutes de pause. Je mange tranquille, je reviens en forme. Si les duels remarchent, on se retape avec Vince, sinon on continue le mode solo. Je vous dis à tout de suite.
Hop, re. Est-ce que tu sais si c'est des bugs là? Il est pas là, je crois. Ok, re. Yo, quel ressenti à chaud pour le moment? Bah, en vrai, c'est très bon. Il y a juste, tu vois, 2-3 trucs à régler pour que ça devienne excellent.
par exemple, dans les duels que tu fais entre amis, pouvoir avoir une decklist custom, par exemple, ce genre de truc, ça va être très intéressant pour nous, créateurs de contenu, quoi. Ou même vous, hein, pour vous amuser. Et donc voilà, c'est des trucs... mécaniquement, le jeu est bon, c'est fluide, c'est beau, c'est propre, c'est le Yu-Gi-Oh! Actuel. Donc, il y a... Ah. Allô, Vince? Ah mince, il est pas là. Wow, j'ai eu peur, j'étais le seul sur Minecraft, j'ai pas compris où le son venait. Ah, allô? 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 Est-ce qu'on retente? On peut retenter, Vince, on peut retenter. Mais t'as pu jouer toi là en attendant ou pas? J'ai pu faire du solo. Ouais, pareil, j'ai été faire du solo. Mais en vrai, ça rapporte masse, hein. Gros, j'ai 4100 gold juste en ayant fait du solo là. Pendant. Ouais, non, c'est. Pour le coup, je suis d'accord que c'est débile. Hein. C'est. Tant mieux! Oui, tant mieux. Pour le coup, clairement, tant mieux. Alors, il me dit que je suis déjà dans une autre salle. Alors, comment on fait déjà pour rejoindre l'autre salle? Je me rappelle plus. Tu quittes. Faut déjà que tu quittes celle-ci, quoi. Moi, je dissous. Ouais, ok. Crée une salle. Vas-y, je te laisse créer. Une date annoncée pour le téléphone. Bon, ce sera un peu plus tard. Hein. C'est comme sur Hearthstone. Hein. C'est... En général, ça sort pas le même jour. Oui, j'avoue, moi à 4h du match, j'ai essayé de l'installer sur mon téléphone, je le trouvais pas. Mais bon, je pense que ça arrivera par après, quoi. Je pense que ça arrivera par après. Eh bien, écoute, okay. Je suis dans la room. Ouais, on y est là. Dis-moi quand tu cliques et je vais cliquer aussi. Eh ben, je clique. Ok, espérons que ça fonctionne. Mais même le mode solo, je trouve qu'il est vachement pédagogique et c'est pas mal en vrai. Ouais, non, mais grave. Après, mais c'est ça qui est l'intérêt. C'est qu'en vrai, expliquer les règles de Yu-Gi-Oh! Bon, déjà, c'est un peu long parce que c'est, comment dire, c'est complet, hein, c'est un gros bloc. Mais c'est tout de suite plus simple avec des images, avec des explications, du contexte, tu vois. Enfin, quand tu peux prendre le temps, tu vois. Enfin, je veux dire. Et du coup, ça carie beaucoup, quoi. Alors, moi, je suis en attente de l'adversaire. En attente de l'adversaire aussi. Bon, apparemment, le ladder marche toujours pas. C'est la faute de Doc, il est monté trop vite. Hein. Ouais, et depuis qu'il est arrivé Silver, y a plus rien. Une erreur s'est produite sur le jeu. Ah. Le lien marche pas. Oh, je suis dedans, moi. Je suis dedans aussi. Incroyable. Allez, peut-être. Oh là là, incroyable. Le one-to-one. Ah non. Il n'y a pas eu de réponse du serveur de jeu. Redémarre. C'est pas vrai. Si. Oh non, mais non. Mais non, mais si. Ouais. DSL. Non, bah c'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute, hein. C'est clairement de la faute de Pierre qu'on va attraper. Hein. Pierre, on va te mêler. Non, bah écoute, bah retentons peut-être à 17h du coup. Allez. À tout à l'heure. Allez. À tout à l'heure. Une petite demi-heure de solo. Ah, c'est toujours comme ça, hein, les lancements de jeu, on connaît. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Moi j'ai déjà fait sur Dofus. Les guerriers des six seigneurs élémentaires. Le monde est constitué de six éléments. La terre, l'eau, le feu, le vent, la lumière et les ténèbres. Ces éléments ont été amenés sur Terre par six seigneurs élémentaires. Le monde est en paix tant que les six éléments sont en harmonie. Cependant, lorsque cet équilibre est corrompu, les seigneurs élémentaires apparaissent. Moulin Sakibola. Désolé, j'adore faire ça. Eh, bonjour! Ici le nain du donjon de Nahelbuck. Cette histoire. Excusez-moi. C'est quoi le début du donjon de Nahelbuck? Je sais plus ce qu'il dit. Bonjour et bienvenue dans l'histoire du donjon de Nahelbuck.
Notre histoire commence devant un donjon. Connaissez-vous la prophétie de Gadolforak? Il faut danser avec un nain unijambiste enroulé dans du jambon. Non, je l'ai plus. Tiens, voilà quelqu'un. Hey, je suis le voleur. Bref, j'ai vraiment 8 ans. Hein. J'ai plus les paroles, mais... Hey, je suis là. Ça se voit. Ça se voit. Oh, je peux le faire. Je peux le faire en direct. Hey, salut, je suis Nyctalope. Eh ben, je savais bien que t'étais une salope. Oh, Dog Dog Akita. Hey, je suis le ranger. Non, je vais arrêter, c'est chiant. Je m'amuse, je suis désolé. Par contre, c'est déstabilisant parce qu'il y a un micro décalage avec ta voix. Et moi, ça me déstabilise. C'est pour ça que vous me voyez bégayer parce que ce micro décalage, il est terrible, quoi. Zog-Zog Akita. Zog-Zog Akita. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'ogre a chié à 2 mètres de la porte. Je le réviserai pour demain. Je le réviserai, promis. Ce son, tu changes avec quoi? C'est le mec qui a fait mon setup son, il m'a mis des petits effets. La roue libre. Activez le palais de seigneur élémentaire. Oui, je connais pas du tout le deck seigneur élémentaire. Terrible. Bravo à Oscar, merci. Tu arrives à parler avec la voix modifiée en retour perso, trop de mal. Ah, mais moi aussi, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai enlevé mon casque. Alors, ajouter machin. La polyamana. Que des bons souvenirs, le donjon de Nalbuk. Ouais, c'est clair. C'est insane. Que des gros souvenirs. T'as pris quel deck au début? J'ai pris le Blue Eyes, mais franchement... Par contre, il faut que je suive parce que là, je vais devoir refaire la combo encore et encore, quoi. De plus, Palais des Seigneurs élémentaires a un effet qui augmente l'attaque et la défense de vos monstres en fonction du nombre d'attributs différents des monstres dans le cimetière. En fait, il faut vraiment lire, quoi. Il y a actuellement 2 monstres hauts, Nalu, élément sabre, dans le cimetière. Activez l'effet de Nalu, élément sabre, dans le cimetière et changez son attribut. Franchement, il faudrait que je le refasse, quoi. Parce que j'ai pas suivi au début, quoi. Et je choisis la tribu lumière. C'est méta de lire ces cartes. Exact. Ok, c'est bon, j'ai fini mon deck, c'est un délire. T'as fini ton deck? Oh, t'es archi bien, gros. Maintenant, attaquez le monstre de votre adversaire. Bon, je le sèche. Me manque 2 haches, mais aussi... Putain, mais t'es trop bien! En plus, tu joues avec tes 3 fissures et tout, quoi. En vrai, tu me soulèves. By far, quoi. Complété. Ouais, le solo donne beaucoup de cartes. Ouais, d'accord. Mais là, ça donne beaucoup moins, hein, quand même. Oh, putain. Ah oui, d'accord. Ok, je joue contre, du coup. Activez Orage Foudroyant. Oh, putain, ça fait trop plaisir, des draws comme ça. Alors, déjà, je vais aller chercher le terrain. Ensuite, je vais Orage Foudroyant. Je vais baiser ces monstres. Bam.
le fameux Babam, hein. Le fameux Babam. Je rêve du manque. J'essaie des effets de merde. Le fameux Bam Bam, hein. Pourquoi je peux pas pot d'extra en plus que j'ai pas fait la première action? Oh là là, le mec il est nul! Il est nul! Zog Zog Akita! Le mec est trop trop nul! La 2400 en effet. Vous pouvez envoyer deux autres monstres depuis votre main au cimetière, ok, spécialement cette carte. En vrai, c'est déjà pas mal. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Appliquez les effets aux monstres éléments sabres et seigneurs élémentaires que vous contrôlez selon leur attribut. Ah ouais. Non destructible par effet eau et feu. Mais il n'y a pas de eau et feu. Ah, peut-être que lui, il a changé son attribut. J'ai peut-être pas vu. Ah, il faut lire, hein. Il faut lire. Ah, mais attends, mais moi aussi, je peux le faire, du coup. Hop là. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre élément sabre depuis votre main au cimetière et ajouter un monstre élément sabre. Ah mais je connais pas la combo, il est marrant lui. Sélectionnez une carte envoyée au cimetière. Non, tu peux aussi craft des ultra... Oui, 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 ça c'est cool. 2008, bon, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà pas mal. Eh bien, on va battle. Ah, il est pas destructible au combat. C'est chiant. Eh bien, c'est une fin de tour. Voici le mode ranked bug. Oui, oui, t'inquiète. Je vais me faire sécher par le tuto, c'est ça? Putain, il a même pas attaqué. Ça n'a aucun sens. Sélectionnez une carte envoyée au cimetière. Allez, au pif. Waouh! Sélectionnez un monstre à retourner en position de défense face verso. Ok, on le met face verso, du coup il a plus d'effet. Sélectionnez des cartes de votre. Ajoutez de votre deck à votre main. Hop là. Ah, c'est deux cartes pour. Sélectionnez la carte à envoyer au cimetière. Non! Non, vraiment non! Oh, je peux pas revenir en arrière du coup. Sélectionnez là où les cartes de votre deck ajoutées à votre main. Tu vois, le problème, c'est que là, tu dois tout lire pour comprendre la combo. C'est horrible. Faut être un crack, quoi. Alors, eh bien, on tape. Je peux pas taper, très bien. Super. Super! C'est quoi, je peux pas attaquer le tour où j'ai fait ça? On va commencer par pot d'extra en fait, que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure. Quand tu fais l'effet du terrain, je crois que tu peux pas taper, d'accord. On va dire 6. J'ai pas besoin du coup. Bon, on va battle hein. Je peux pas taper, what the fuck. Mais peut-être que lui non plus, peut-être qu'on peut tous les deux pas taper. Est-ce qu'il y aura un mode tac duel? Je crois pas. Ah bah si, visiblement il peut taper.
Et Yamin the Sauce. Oh, j'ai pas pigé, putain. Ça, c'est horrible quand tu joues un deck que tu connais pas. 5 ténèbres. Ah. Faut 5. Ah. Sélectionner. Ah ouais. Sélectionner l'effet à activer. Ah ouais. Divin. Voilà, là tu actives 5 ténèbres et après tu mets ton monstre. En fait, je peux tous leur changer leur attribut. Voulez-vous utiliser l'effet maintenant? Oui. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre élément sable depuis votre deck. Différent. Ah, fais chier. Fait chier, ça pue la merde ce que j'ai fait. Donc là, il faut que je dise ténèbres à chaque fois, quoi. Très mauvais choix, là, de Pokémon, là. Une, deux... Ténèbres. 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 Voilà. Enfin. Oh non, le plus beau, j'ai pas plus beau. Sélectionnez là où les cartes de votre deck ajoutent à votre main. Je le sens mal. Ça va. Là où les cartes sur le terrain ont été détruites, activez un effet de carte. Votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre. Ouais, mais non, je veux pas. Hop là. Ok. Il y a un système de ranked, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors... Et du coup, là, je peux faire pareil avec l'éther, quoi. Ah ouais... Cette carte face recto kill le terrain, sautez votre prochaine battle phase. De toute façon, c'est pareil partout, non? Vas-y, je vais invoquer le haut. Oh. Bon, ça pour le coup c'est plus long que dans le vrai jeu, quoi. Oh. Et le dernier normalement. Oh. Voilà. Ok, j'ai compris la mécanique. Je peux limite invoquer les deux. Tu crois? Ah, je sais plus qui est quoi là. Bah non, je peux pas, je pense. Non, si j'en avais un en plus, j'aurais pu, mais... On va attaquer? Bon, s'il meurt, je perds ma prochaine battle phase, par contre. Il a l'air plaisant, ce deck. Ouais, c'est en vrai... Dès que tu fais l'effort de comprendre, c'est déjà plus intéressant, quoi. C'est juste que, bon, les gros pavés, quand c'est pas un truc qui t'intéresse, t'as vite fait de dire, bon, vas-y, je lis pas, quoi.
Ah, lui va m'invoquer un gros par contre. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre. Non, bah non. Oh non ! La trappe. Bon bah je le fais sur lui. Hein. Oui, je vais jouer un peu de tout, mais je me suis déjà craft le deck harpy. Renfort, ok. De toute façon, ça saute ma prochaine battle. J'ai peut-être moyen de le sécher. Ça doit être terre. Allez, on commence. Ouais, c'est un par un, quoi. Bon, c'est des trucs ça qui peuvent gérer plus tard, hein, mais j'avoue que c'est pas idéal, quoi. Encore un ou deux. Ah, j'ai peut-être zéro terre sur le... Ok, hop là, un Vox P. Sélectionnez un effet facultatif. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez cibler un monstre dans les cimetières, invoquez-le spécialement à la cible. Ah bah ouais. Je peux invoquer le gros à 2004, hein. Ah, je peux aller prendre dans le cimetière adverse aussi. Mais je vais juste prendre lui. C'est ça qui buffait ? Tous les monstres que vous contrôlez gagnent. Voilà. En fait, j'aurais dû faire ça tout de suite. Le board est joli quand même. Le board de fin est joli. Le jeu est déjà sorti, oui. Salut de Capelle la Grande. Salut à toi, Connut. Je suis à 10k gemmes. Rien qu'avec le solo. Et j'ai pas fini. Alors, t'es capé à 10k gemmes. T'es obligé de les dépenser, là. Hop là. La petite victoire. Yo, les gars, comment je récupère mon avancée sur Switch sur mon PC? Ça, je sais pas encore. Je l'ai encore jamais fait, je t'avoue. Les éléments sables protègent désormais les temples. Où les pèlerins ont cessé de se rendre. Non, j'arrive pas. Pardon. Non, non, j'arrive pas. Il y a un micro décalage. Ça me fuck top. J'arrive pas à lire. Bon, toujours pas dispo sur mobile. Je dois attendre de rentrer pour jouer à la PS5 ce soir. Ouais, tranquille, t'as le temps. T'as le temps. Ok. On gagne de la carte. Quel deck pour débuter, s'il vous plaît? Prenez ce que vous voulez, vraiment. Pourquoi il veut... Ah, parce que j'ai débloqué un... Ah non, j'ai débloqué ça. Il y a quoi dedans? Je peux avoir la liste complète. Hein. Oh, il y a pare-feu. Mais attends, pare-feu... Ah oui, elle a été errata. Il y a 6000 cartes dedans? Je comprends pas. 4 cartes sur 8 de chaque pack de cartes sont garanties d'être dans les cartes vedettes. D'être des cartes vedettes. D'accord. Ah! Ok. T'as la moitié du pack qui est ça au moins. D'accord. Je vois. Toujours pas arrivé sur mobile. Ouais, mais ça c'est... Mobile, je pense que ça doit prendre plus de temps avec les accords et tout. Enfin, encore, j'y connais rien. Ok, je peux pas. Je suis obligé d'avancer. Alors, ruine et peine. Oh, ça va être du rituel, ça.
T'en as un pour Harpy. Ouais, t'inquiète, Tib. J'ai déjà le deck Harpy presque au complet. Mais non, fais pas ruine, pourquoi ? Fallait finir la première gate. Non, mais attends, Doc. Quand un monde est sur le point de périr, il est visité par deux. Par deux êtres, putain, ta merde. Le premier est un être rouge qui enveloppe le monde d'une lumière dorée, est-il le rideau ? C'est une déesse androgyne vêtue d'une robe rouge. C'est une déesse sans aucune. Sans aucun filet. Je sais pas les. Ah merde, j'ai plus. Excuse là. je sais pas lire. Voilà, c'est. Tu m'as dit que je pouvais faire finir la première gate. Ça. Mais il me semble que je peux pas la débloquer. Ah ok, ça y est, j'ai enfin assez. Ah. Hein. D'accord, si je le fais avec un deck d'emprunt, donc le deck qu'ils ont eux, je gagne ça, et sinon je gagne des petits boosters héritage. Ah. Est-ce que c'était la même là-bas ? Non, là il y avait qu'un deck possible. Ok. Salut Vegas, salut à toi. Mais du coup en fait, je suis obligé de le faire avec ça si je veux débloquer les prochaines gates. Par contre, si je veux farm en plus, je peux jouer avec ça, on est d'accord. C'est la rejouabilité de la story. Ok. Bon après ça permet de farm aussi hein, pour ceux qui veulent. Oh. Oh, il est déjà beaucoup plus intéressant ce deck. Il me parle déjà beaucoup plus. Survivant DD, c'est quoi durant la end phase si cette carte a été bannie tant qu'elle a été face recto sur le terrain, ce tour, invoquer spécialement cette carte bannie. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par tour. De toute façon, on commence par ça. On fait ça. Et on fait fin de tour. C'est un jeu solo ou online, les deux ? Mais surtout online, quoi. Le but à terme, c'était de se fight, quoi. Eh, hey, mais les meilleurs sont deck. Il m'a enculé toute ma stratégie. Je viens de me faire contrer, hein. De ouf. Ça va être dur, là. Hein. Ça va être dur d'un coup, hein. Eh, hey, je suis en PLS d'un coup, là. Zouli se fait bolos par l'ordi. Bah là, non seulement il m'a fait repiocher ma fissure, mais en plus, l'autre, elle a pas été bannie, quoi. Ah oui, puis apparemment, il continue, quoi. Bah ça va aussi. Ah, voilà, moi aussi, je peux le faire. Bon, je suis obligé d'aller crash, parce que si je crash pas, il peut faire un méga monarque, ou il peut jouer une magie et... Allez. Ça bug, hein. Super. Allez. Allez, on y va. Allez, j'ai barbi. J'ai tout fait tomber. Sa merde. Bon, la main est intéressante. La main est intéressante. Putain, je me suis fait bolos, quoi. Je te préviens ici, voilà. De quoi ?
Mais par contre, chaud de jouer avec toi. Alors là, le problème, c'est que les games amis et le ladder ne marchent pas. Oh putain, j'ai tout renversé. Ah oui, il est au taf. C'est bientôt le récap en plus. Votre adversaire a bientôt fini son tour. Activez une carte. Oui. Ah, il s'invoque en défense, oui. Placez un monstre de niveau 6 depuis votre main sur votre terrain. Face recto au-dessous du deck. Piochez deux cartes. D'accord. C'est niveau 6, ça? Il est niveau combien? Non, niveau 4. Depuis votre main ou terrain face recto. Oh! Ouais, mais... Non, mais je vais juste faire ça. Oui, c'est un must-buy, le pass de combat. Je vais pas le faire deux fois. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, même de le faire en main phase 2, hein. Tu peux le faire, mais je vois pas l'intérêt. Ah si, c'est parce que t'auras bénéficié de l'effet de Reza qui est de... Ouais, ok. Dans ce sens-là, ok. Dans ce sens-là, ok, ça me va. Oh là 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 là, ça va être un no match. Hein. Alors attention. C'est pas vous pouvez, c'est cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Il a pas de monstre, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. Oh, il est pas niveau 6. Il est pas niveau 6, mais arrêtez. Arrêtez de me troller, putain. Bon, ça va. Ils ok. C'est niveau 6. Ouais, ouais, j'ai vu. I know, hein. Je sais. Alors, l'effet ne marche plus parce que du coup, elle est pas face recto, mais on s'en branle parce qu'on fait ça et on gagne. Et on est juste des archi-boss, quoi. Oh là là, facile ce jeu, facile! Les boosters de fou qu'il a surtout, ceux avec les 6500. Oui! Alors, en fait, j'explique. Dans le jeu, il y a 3 boosters. Les deux premiers sont des boosters compétitifs pour ceux qui veulent vraiment faire les meilleurs decks, machin et tout. Et il y a un booster avec 6500 cartes qui comprend quasiment l'intégralité des cartes du jeu. Quasiment, pas toutes. Parce qu'il y a 10 000 cartes dans le jeu. En fait, le but, c'est que si tu as envie de faire des decks fun, des machins, des trucs un peu originaux, tu achètes ces decks à 6500. Et si tu chopes une secret rare d'un archétype, exemple archétype harpie, tu vas choper le booster de l'archétype harpie. Où tu vas pouvoir acheter ces boosters. Et du coup, récupérer des cartes harpies. Par contre, deux trucs. Un, tu peux le déverrouiller aussi en craftant une carte harpie. Une super rare harpie. Deux, une fois que tu as débloqué ce booster secret, tu as 24 heures pour pouvoir en acheter et après, tu dois le redébloquer. Voilà. Voilà, voilà. Ça marche aussi, effectivement, si tu craftes la carte. Ah, il y a 200 gemmes quand même. Avec ces boosters, tu es assuré d'avoir au moins 4 cartes de cet archétype. Oui, c'est ça. Pendant 23 heures. Pardon. Comment tu craftes? Tu dois décraft des cartes. Et en fait, suivant la rareté que tu as des crafts, tu peux en craft. T'en décraft 3, t'en craft 1.
tu décraftes 3 rares, tu craftes une rare. Tu décraftes 3 super rares, tu craftes une super rare, etc. etc. Alors, pourquoi il fait ça, lui ? C'est quoi ça, je connais pas ? Ravisseur illusoire. Lorsque vous invoquez par sacrifice un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, le type, attribut et niveau de cette carte devient les mêmes. Ouais. On va faire ça déjà. Hop là. La petite combo du deck. Est-ce que je sacrifie les deux ? Est-ce que je garde le compteur ? Non. Attends, j'avais pas compris ça, moi. J'avais pas compris ! J'avais pas compris, ok. Le Monster Reborn n'a pas d'intérêt, on est d'accord que... Non. Allez, on tape. Ah, du coup, Xarita, on peut jouer ou pas ? Ok, ensuite, le premier monarque... une fois par tour, vous pouvez cibler deux cartes magiques. Vas-y, je fais 7 les deux. Et on va end phase. Monarque le 5. Ah, c'est un deck qui apprécie, hein. Monarque. Alors, votre adversaire a bientôt fini son tour. Non. Bon, de toute façon, là, je le sèche. Pas mal, ça. Alors... Oh, on a Big Eye. Débat. Cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. Bon bah. DSL, frère. Et en plus, je peux réinvoquer Eda avec Eidos. C'est ça ? Bon, j'ai aucun intérêt de le faire. Hein. On va juste battle. Hein. Ça tape tout... Ça tape direct. Hein. Et ça fait un tout pile. Best deck monarque, surtout depuis le support consistance. Ah bah c'est le but, hein. Ladder revenu, pour moi je suis en game. Ah, intéressant. Intéressant. Du coup, est-ce que Vince veut revenir pour qu'on se tape ? Bon, du coup je débloque la deuxième gate. Une icône représentant un monarque, destructeur des mondes, progéniteur de la dévastation. Ses yeux reflètent-ils le passage de... en ruine d'un monde aux portes du néant ? Hop là. Petite question, je viens d'installer le jeu pour la langue. Est-ce que la traduction française est bien ? Ou je devrais y aller en anglais ? Non, tu peux y aller en français, regarde, je suis en français, moi. Pourquoi j'ai déjà le truc des bêtes cristallines ? Alors que j'ai pas débloqué les autres. Ah, on peut pas voir ce qu'il y a à prendre. Ok, c'est à chaque fois le même pattern. Et là, j'ai un deck de structure à chaque fois, quoi. Putain, ça, c'est bien. Hein, c'est pas les bêtes cristallines, pas du tout, excusez-moi. C'est les monstres gemmes. Attendez que je regarde un petit peu ce qu'il y a. Dinosaures de vapeur. Donc là, il y a un deck... Ah, je peux pas regarder. Mais il y a un deck bête gladiateur, quoi. Grave surtout que dans les structures, il y a des staples. Ah ouais, j'avoue, ça c'est pas con. Parce qu'à la limite, tu vois, les decks, ils m'intéressent pas trop, mais j'avoue que les staples... Putain, t'as grave raison. Est-ce qu'on peut voir la liste des decks ? Ah, je peux pas voir. Ah si. Ah, c'est des trucs intéressants. Ouais, il faut vraiment farm le solo, quoi. Il faut le farm.
Victoire, c'est pas complété. Non, je crois pas. Staple, qu'est-ce que c'est ? Des staples, ce sont des cartes qui sont qui se mettent dans tous les decks. Ou dans beaucoup de decks. Dans la majorité des decks. Exemple, Monster Reborn. Ciblez un monstre dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement de votre côté du terrain. Ça peut se glisser dans beaucoup de decks. C'est un must-have, quoi. Je viens de choper l'ancien, pas mal. Alors. Ah oui, il a un sacrifice, lui. Même deux. Fusion chevalier de gemmes. Utilisez cette carte, invoquez deux fois par fusion des monstres chevaliers gemmes et remportez le duel. Invoquez par fusion Egg Marine en utilisant Cristal Chevalier et Saphir. Comme matériel, ok. Bon, faut vraiment lire hein, les trucs. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait au début. Fusion. Ah, il y a pas l'image qui sort, c'est pas pour tous les pas pour toutes les cartes. Activez l'effet de fusion dans le cimetière pour bannir Saphir Gemme. OK. OK. Sélectionnez là où les cartes à bannir. Et elle revient en main. C'est fort. Invoquez par fusion Ruby Chevalier Gemme en utilisant Egg Marine. D'accord. Il dispose sur quelle console ? Sur toutes. Il faut grenat et un monstre. D'accord. Sélectionnez les deux monstres. Ah, ça c'est comme héros quoi. Il faut se rappeler des fusions. Ah ! Lui il est stylé lui. Bon, je peux pas refaire l'effet. La carte Egg Marine a été envoyé du terrain au cimetière. Alors activez son effet. Sélectionnez là où les cartes à renvoyer à la main. Pas mal. Ok, et on tape à 2005 et on gagne. Allô ? Allô ? Est-ce que tu crois qu'ils ont réparé le jeu vidéo ? Apparemment, il y a moyen. Ah ouais ? Apparemment, il y a moyen, ouais. C'est ce que Doc me dit. Incroyable. Non mais Doc, sans déconner, ça fait 2 heures, il est devant le clavier, il peut plus jouer, le mec est en train de se couper les veines. Il est trop chaud. Il est trop chaud. En vrai, on l'a tellement attendu, ce jeu. Il était pas annoncé que je l'attendais déjà. Bon, beaucoup de personnes l'attendaient. Putain, mais ça farm sec, hein. En vrai, moi aussi, le solo, ça avance vite, hein. En vrai, ça avance vite. Hein ? Attends, c'est Nikon Headlish ou un Headlish que j'ai chopé ? Je crois que c'est l'icône. Et moi, je viens de choper l'icône ballon de foot. Et là, faut absolument que je la mette. Là, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire en tant que footix. N'hésitez pas à m'ajouter sur le jeu. Hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais allez-y. Vous avez mon code. Code j'avoue, ami. c'est pour le kiki. Moi, je suis à 24 là. Pff, wow. Non, c'est même pas une icône que j'ai eue. Peut-être la carte. Ah, hein. Illustration de monstre. Ok. Non, officiellement, le jeu est validé. Hein. Il y a une icône ballon de foot. Donc, vous savez, c'est. Je comprends. Abonnez-vous. Est-ce que je t'invite ou est-ce que t'es encore en match là ? Non, je suis bon. Ok, alors attends. Allez voir si. Moi bon, je veux garder lui, il est stylé. Hop là. Oui, apparemment, c'est une banniste au CG. En tout cas, le jeu est vachement ambitieux. Hein. Cross-platform plus ladder. C'est pas mal, c'est pas mal. Cross save, cross platform. Plutôt pas mal. Attends, il faut que je ramasse mes sleeves. J'ai fait tomber une boîte de sleeves énorme. Pas de soucis. À savoir qu'il y a des sleeves à 1€ la sleeve dedans. Oh bah ça, j'ai pas de. Si je peux éviter de rouler dessus, ça peut être bien. Alors, normalement, je t'ai invité du coup, dès que t'as fini. Ouais. Ah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu dans le mode solo, mais en gros, les duels que tu fais là sans qu'ils t'aident, faut les faire deux fois, faut les faire une fois avec le deck d'emprunt, et une fois avec un deck à toi, quoi.
Ok. Ok, je vais te réinviter du coup. Vas-y. Normalement, on est bon. 1€ la sleeve, c'est cher. Ah, mais ça, c'est les gens qui vont au championnat du monde, tu sais. Ils ont accès à des trucs, ça me dégoûte. Hein. C'est vrai. Il est vrai. Tain, le Vince, le ballon de foot, quoi. Ah non, mais ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Pourquoi il me dit créer une salle? Tu m'as pas invité? Normalement, là, j'étais invité dans ma salle. Ah, j'arrive. Attends, j'ai pas compris. Non, il veut que je crée une salle. Vas-y, moi je t'invite. Okay. Vas-y, bah crée. Hein. Je t'ai invité. Putain, le cauchemar qu'on a fait tomber ça. Oh, on est bon. Il y a plus qu'à espérer. Hein. Non, mais t'inquiète, là j'ai le ballon de foot, ça va carré. Bah, dis-moi quand si tu cliques. Si Doc est en ladder, c'est que ça se fait quoi. Vas-y, moi je clique. Vas-y, je clique. J'y crois. Bah, moi aussi j'y crois, bien sûr. J'y crois. Ok, je suis dedans. Alors, je vais jouer deuxième. Ah bah t'es dedans, c'est parfait. Allez, enfin. Bon, j'ai changé de deck, hein, du coup j'ai pas repris le zombie. D'accord. J'ai pris la version que t'avais fait de héros. Ah. Et j'étais vraiment ravi de crafter Clément. Hein. Ok. Eh bien écoute, bonne chance à toi Vince. Bah si, pas toi aussi. Hein. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Y a pas de 2v2, je pense pas qu'il y en aura. En tout cas, ils l'ont pas annoncé. Ah, je pense que ça serait pas là-dedans, on serait plus dans un jeu fun. Mais ils ont annoncé là le truc cross duel, donc... Bon après c'est différent. Mais... Oh là la prisme, héros élémentaire. Alors je vais te montrer. Putain c'est des cartes qui remontent hein, pour moi ça. Vache. Ah bah ouais. Bah, lui hein, du coup. Y a pas de timer si. Si si. Mais ça, on est d'accord que c'est un timer qui est global hein. C'est pas un timer par tour. Ah non c'est global. Mais tu regagnes oui, du temps je crois au début de ton tour. Imagine, tu joues contre un joueur allemand et c'est ça par tour. D'accord, tu poses deux. T'as pas peur, toi. Bah non, violent orage, on n'a pas le droit. Attends, il a tout analysé, il est trop fort. Il est trop fort. Et bon, vu qu'on n'a pas le droit à violent orage. Je te souhaite bonne chance, Vince. Vas-tu seulement être capable de me tuer? Je ne crois pas! Alors là, pour l'instant, on est tout chill. Là, pour l'instant, on est clairement tout chill. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il tape. Il tape. Alors, c'est quoi son effet depuis qu'il énerve? Parce que moi, je connais le vrai Sangan. En fait, tu peux l'ajouter en main, mais tu peux pas la jouer ou activer son effet ce tour-ci. Ok, très bien. What the fuck? T'as été crafté ça, putain. T'as été crafté Exodia, non mais... Bah ouais, je voulais faire un deck Exodia en ladder, alors je me suis dit, bon, bah... Non, mais faut se faire plaisir, t'as bien raison. Hop. Ok, je vois. Ouais, bah, je vais push un peu du coup. Hein. Ouais, je t'en prie. T'as un Zul qui régale, il a sorti Exodia, les gens sont contents. Tu vois. C'est vrai. Écoute, on va régaler mon pote. Qu'est-ce que je fais? Écoute, c'est à toi. Piocher, t'as vu comment je fais plaisir à ton public, quoi? Ah, je te jure.
En vrai, est-ce que tu vas te faire rattraper par la patrouille? Est-ce que je vais avoir le temps de piocher Exodia? Attends, je suis en train de lire mes fusions. Ah, mais j'ai pas de fusion qui permette d'envoyer Herman au cimetière, ça dégoûte. Est-ce que j'ai un intérêt du coup de fusionner? Pas vraiment. T'as réussi à tout faire le deck? Il manque des fusions, mais sinon j'ai récupéré. Ah, pour crafter Herman, j'ai lâché un doigt de pied. Hein. Tu sais qu'il est sorti en Starlight, Herman? Ouais, j'avais entendu parler de ça. Oh là là. De toute façon, ils ont vraiment sorti toutes les cartes populaires en Starlight. Hein. Ils se régalent. Hein. Ok. Tu vas emmener quoi avec ça maintenant que tu n'as plus de Sangan? Alors, je te spoil, j'en ai un deuxième dans mon deck, mais je vais pas le jouer parce que j'aurais dû le mettre J'aurais dû le mettre que en foin, j'avoue. J'avoue ma peine. Sangan, il y a plusieurs du coup maintenant dans le jeu? Ouais, bah apparemment. Ok, ok. Je savais pas. Non, j'avoue, j'ai abusé d'en mettre plusieurs quoi. Tranquille. Hein. Ah, d'ailleurs, faut que je fasse un truc, parce que si tu me tues ma tomate, je serais obligé de l'invoquer. Et ça baiserait un peu le duel. Oh, tranquille, hein, c'est la vie. Hein. Genre, à moins que là, t'aies les 4 parties en main, je me dis que ça va, il y a du temps encore un peu. Tu crois? Tu crois que t'as du temps? Pauvre fou! Pauvre fou! Et... Ah, moi je vois que pour l'instant, mais il n'y a pas d'Herman, je suis abattu. Merci, Rakeno. Herman serait si fort ici. Oui, Xari, oui, bien sûr, mais j'essaie de laisser un peu de suspense. J'entends là. On va dire que je vais essayer de jouer avec un seul Sangan. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas envie de faire ça. J'essaie de te sauver la vie, là. Parce que sinon, je serais obligé de ramener mon deuxième Sangan, et c'est de la triche, donc... Hein? Oui, parce qu'en fait, alors ça, c'est un truc que tu sais pas, et c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé en tournoi à l'époque, parce que la carte était jouée. En gros, si je te déclare Find Mine Phase 1, c'est là que t'as un timing pour activer ta carte. Mais si jamais tu l'actives quand la première attaque est déclenchée, la première attaque ne sera pas annulée. Ah, ok, j'avoue, j'ai pas fait gaffe. Genre, pour petite histoire, j'étais le genre de petit con qui disait souvent fin de main phase. Le mec disait ok, je disais j'attaque, il déclenchait ça. Et je disais bah la première attaque passe, il me disait non, je disais arbitre, et j'avais raison. Tu vois. Trop fort. Bon, j'ai pas activé l'effet de ma tomate comme ça. Ok, pas de problème. Aussi. Comme ça, pas de problème. Et ouais, cette carte a un timing d'activation, c'est un peu comme formule synchronique, c'est un peu bizarre, c'est... Soit tu l'actives en fin de main phase exactement, et du coup l'adversaire retourne en main phase, soit tu peux pas l'activer. Bon Vince, je vois le temps qui passe. Cette épée de Damoclès que tu as sur la tête. Je vois le roi des marais dans ma main, j'ai juste envie de crever, mais ça va. Bon écoute, on va accélérer un peu. Oh, tu penses que tu vas accélérer un peu. Avec une polymérisation dorée. Ouh, dorée. Alors, est-ce qu'on fait un shiny? Est-ce qu'on fait un shiny? Ah ouais, on en est là quoi. On en est là. Bon, faut que j'aille enlever mon deuxième Sangan du coup tout à l'heure. Pas ce que j'ai branlé quand j'ai créé le deck. Je l'ai fait un peu vite, j'avoue. Oh, Clayman! Oh putain, il a l'air fort lui. Ouais, il fait quoi? Histoire, c'est la carte qui m'a fait perdre au championnat du monde, celle-là. Ah ouais? Ouais. En gros, je jouais une carte qui s'appelle Light and Darkness Dragon, je sais pas si tu connais. Je crois l'avoir de vue. C'est un monstre à 2008 qui dit que quand l'adversaire il active une carte, il perd 500 et il annule. Merde.
Ah oui, merde. Et du coup, mon adversaire avait une carte en main. Et il a top decké Super Poly. Et ça m'a baisé. Ah. Super Poly ne peut pas être annulé. Défusion ou Super Poly? Super Poly. Ah ouais, ça existait déjà à l'époque. Attends, je peux pas passer un monstre à 2000 de défense là, mais je suis. Murasakibara. Oh, 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 ok. Écoute, on va patienter un peu. Ni toi ni moi ne pourrons attaquer pendant deux tours. Hop, le petit compte. On dirait les cartes à Jiraya, quoi, quand il met... Ah, putain de merde. Bah, hey, le but, c'était pas de faire un deck trop fort, c'était de te laisser... Non, je suis d'accord, t'as pas mis les cartes les plus reloues. Oui, parce que je mets limite de zone B, filet gravitationnel, et on attend 20 tours, quoi. Là, il y a du timing, quoi. Herman, il veut pas venir, hein. Tant mieux, tant mieux. Ah oui, Herman, il pète des backrows en plus. Ah, il pète tout. tout va bien. Calme-toi un peu, Vince, s'il te plaît. Calme-toi un peu. Je te jure que depuis tout à l'heure, je deviens fou parce que je joue des E aussi. Je suis en mode, mais quand même. Ça. Ah ouais, tu vas aller chercher une poly. Ah. Un seul de mon deck. Une petite poly. Oh là là. Oh là là. Elle fait quoi, elle? Alors elle, une fois par tour, en début de tour, je peux récupérer un héros que je contrôle dans mon cimetière et le récupérer dans ma main. Ok. Rien de trop... Trop flippant pour toi pour l'instant. Ah ouais, tout va bien. Pour l'instant. Tout va bien, mon pote. C'est quoi ton code? Point d'exclamation IDVINS. Et vous l'avez directement dans le chat. Ah, oh, trop fort. Ah bah, important, enfin. Ah, mais directement, on a fait un petit code, hein, c'est important. Hein. Ah, oh là là, Vince. Vince. Est-ce que je fais ça tout de suite? Déjà, je vais faire ça, on va voir. Un petit jour de paix. On va piocher tous les deux une carte. Aucun dégât oh, sera. Oh le grand-père, quoi. On va attendre parce que pour l'instant, je vois. C'est qu'il y a un moment je vois Herman que tu hésites à attaquer. Il y a un moment où Herman arrive. Hein. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Ouais. Ah, cette défense qui pour l'instant tient face au deck héros. T'as fait quoi là? Effet de océan. Effet d'océan qui me permet de récupérer un héros. Pour l'instant, rien de trop flippant. T'as un milliard de cartes en main, par contre. T'as un milliard de cartes en main, frère. On va faire un petit zéro absolu. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, lui, c'est quand il quitte le terrain, il fait Rageki. Oh, putain. Hop, tranquillement. Ah, zéro absolu, il est beau. C'est une carte. Hein. Attends, je lis. Cette carte quitte le terrain. Elle gagne 500 d'attaque pour. Ok. Ok, c'est fort. Bon, c'est pas quelque chose qui normalement devrait être menacé trop non plus, mais. Allez, hop. Allez, le petit livre de la lune pour temporiser et rajouter un troisième compteur sur ma bibliothèque qui me permettra d'enlever trois compteurs pour piocher une nouvelle carte. Il est caché dans son bush, quoi. Vas-y, je te laisse piocher. C'est gentil, mon ami.
T'as pas peur de force de miroir? Mais il a pas de force de miroir. Ben, je crois. Non. Je te le dis, non. Je te donne l'info. Allez, on va activer cet effet. Top plaisir. Après, il te reste beaucoup dans le deck, non? Est-ce que c'est une info que je peux avoir, moi, en tant que... Ouais, 22. Désolé, mon ami. Désolé, désolé. Oh, t'as, les... non, t'as, mais... t'as pas les 5 en main, t'as 6 en main, j'en vois jamais de la vie. Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être pas, ouais. Ok. On va faire ça. Et puis on oh, va. Et oui, mon ami! Hop là! Vas-y, vas-y. En plus, il est sur le côté, là, à côté, il fait le kikou, là. J'avoue, ouais, sans gagner à côté. Ouais, ça avance, Vince. Ouais, avance, ça avance, hein. Et j'avoue que ça me fout la rage, là, un peu, mais. Je vois. Là, je suis en train de regarder le tas de cartes qui me sert de deck, là, je suis un peu déçu, ouais. Je rêve, je rêve, je rêve. Ce tas de cartes qui me sert de deck, dit-il. Allez, un E, un E, un E. Un E, mais non, pas. Je suis pas bien. J'ai pas eu la bonne. Un E, je suis pas bien. Putain, tu peux aller chercher Poly à chaque fois. Hein. Alors, Zulu, j'ai demandé un E. Et à la place, j'ai eu autre chose. D'abord, je vais récupérer toutes mes petites cartes en stand-by, là. Vas-y, vas-y. T'as 1 milliard de cartes. Tu vois, mon cher Zulu, qu'à la place de mon E, j'ai récupéré le R. Qui fait quoi? Qui me permet de détruire des magies pièges sur le terrain. Oh, merde. Oh, non. Non. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas, c'est quand il est détruit au combat. Non, il y a une époque... Bah, à mon époque, ça marchait, en tout cas, ça. Suspense. Du coup, tu détruis mes macros? Ouais, j'ai trop mon call aussi. Je pense qu'il y a vraiment aucune raison que ça marche pas. T'as les 5 là, je pète un câble, je te dis. Vas-y, c'est trop, ouais, je suis sans gagne. Je suis au bout de ma vie. Allez, l'animation est incroyable, en vrai. L'animation, eh, hey, y a une animation. Il y a une animation. Incroyable. Bon, hey, j'avoue, je vais aller tout de suite fixer le deck. Genre rapidos, là. Vas-y. Parce que j'ai mis 3 appels de lettres en T, c'est un peu beaucoup, et 2 sanglanes. J'avoue, j'ai abusé. J'avoue, my bad. Pas de soucis. J'avoue, l'animation est trop stylée, what the fuck. Je suis limite content d'avoir perdu. Au moins, il y a une animation, parce qu'il fut un temps... Le pire, c'est que j'avais l'étal, ça qui est frustrant. Dommage. Hein. Tu sais que j'avais un Scale Angel de 7. Et je me suis dit, ouais. Insane. Imagine, il a l'étal, il tape mon Skull Angel, je top la dernière. Ça aurait été, ouais, insane. Après, l'idée c'était de faire une fusion en sacrifiant un zéro absolu qui faisait Rageki. Ouais, donc du coup, ça passait pas. Ah. Malheureusement. Qu'est-ce que je peux mettre moi à la place? Ouais, je sais pas. Sortir de la forêt noire. Et... Non, elle est en ultra gros. Ah oui! Ah, mais vas-y, je vais la craft. Je vais la craft de toute façon. Meilleur anime que ce. En fait, elle est dans tous les decks de Club Yu-Gi-Oh quasiment. Donc au bout d'un moment. Hop là. C'est dommage qu'ils aient pas mis l'option partage de deck, ce qui faciliterait totalement le truc que toute la création de contenu que tu voudrais faire en fait. Bah tu peux le faire en fait via les decks de la communauté, tu sais. Ouais, après le problème c'est qu'il faut les crafter après quoi. Ah bah ah oui là oui j'avoue. Là où sur HS maintenant ce que tu peux faire c'est par exemple admettons tu lances le jeu,
Ah, et tu dis, tiens, prends dans mes decks. Tu peux, ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les staples qui est cher que j'ai pas? Je peux en crafter une, là, une super ou une ultra. Vince, toi qui as craft tous les decks. Moi, j'ai mis Duality dans certains decks à la place de Pot of Greed. Je me suis dit que c'était OK. Moi, j'ai mis Fragment de Cupidité. Ouais, je l'avais pas, ça. Bah, allez, c'est une rare. C'est une rare. Pu la crafter, en vrai. En vrai, c'est moins fort que Pot de Cupidité. Mais... J'avoue que t'es au top deck, tu pioches Fragment, ça dégoûte, mais... Alors, du coup, j'ai pris le héros, j'ai pris les zombies. Il m'en reste un que j'ai pas pris encore. C'est lequel? Je vais le prendre vite fait. Ah, contrôleur d'ennemis, c'est pas mal. C'est le... ça. Ah, fissure, en fait, c'est pas mal. Hop là, c'est bon. C'est fixe pour moi. Vas-y, bah reviens. Je reviens. Bah, j'ai pris le troisième deck, le monarque. Ok, je suis toujours dans la... Attends. Faut que je prenne la bonne liste, parce que je vais pas trop jouer ça. Ok. Oh, ça marchera pas contre toi. Après, en termes d'options, c'est pas comme si y avait moyen de contrer spécialement. Là, tu vois, typiquement, je savais très bien que t'ajoutais Exodia. Tu vois, oui, non, mais bien sûr. Après, en vrai, c'est marrant, quoi. Ouais, clairement, c'était... La vérité, c'est que c'était trop bien. Genre, pour le stream, c'est trop bien. Premier duel, Exodia. Alors, il y a quoi, là? Bon, bonne chance à toi, Vince. Avec son ballon de foot, il me fume, quoi. C'est vraiment le level 1 des icônes, quoi. C'est vraiment Windows XP. J'avoue qu'ils se sont pas foulés, hein, pour le ballon. Ils ont pris les icônes de Windows XP, quoi. Ils ont pris les ballons de eFootball. Tu veux jouer jusqu'à quelle heure, Vince? 18h. 18h, ok. Bah après, Doc, si tu veux, on se fait un dudu. Parce que Doc qui me le demande. Bah, c'est vrai que maintenant qu'il est top 1 du ladder. J'avoue. La rainette en ultra, ça fait mal. Ah ouais, ça tue les mecs. Hein. Je peux vous mentir, ça m'a donné envie de... Ouais. Allez, bonne chance à toi. Bonne chance aussi. Putain, les vieux duels de l'époque, quoi. Où ça, 7 des cartes, gros. Mais c'est le meilleur bail. J'avoue, 7-1, 7-2. J'avoue qu'on a perdu ça dans le Yu-Gi-Oh! Actuel, quand même. Bah non, maintenant, c'est je joue 20 minutes à toi, puis l'autre joue 20 minutes à toi. Puis fin du temps. Ah oui. Très bien, non, mais très bien. Non, mais allons-y. Désolé, mon pote. C'est champagne. Désolé, mon pote. Bon, après, avec tes monarques, tu peux faire un truc. Oui, je peux jouer, clairement, y a pas. Parce que toi, justement, ça te laisse là une possibilité de summon et tout, donc... Clairement, là, on peut jouer, y a pas de point de souci. Là, si t'as un Mobius, par exemple, ça me fait chier, quoi. Ah, Mobius, c'est pas mal, hein. Mais j'ai mieux que ça, j'ai un truc un peu plus RNG. Oh, on vient d'Hearthstone, ici. Ok. Ok, je vois. On vient d'Hearthstone, on se régale, ici. Merci, Yogego. Oh, la petite rainette qui part, là. Alors, comment ça se passe, le lancer de dés? Est-ce que j'ai un truc à faire ou est-ce que c'est automatique? Ah, j'avais jamais vu un lancer de dés, du coup. Ah bah, c'est automatique, ça fait 6. Tu dois pas faire 1 ou 6. Tu serais pas un pro-gamer, toi? Ne serais-tu pas un pro-gamer? Ça dépend ce que tu veux faire, Xari. Bon, je balance pas, hein, Xari, il est en plein récap, il est en train de jouer. Un classique. Il est sur mon chat. Merde, c'est chiant, ça. Ça, c'est un classique. Ouf. Ça me rappelle des souvenirs, moi aussi. Très mauvais souvenir, pour le coup. Alors, je suis désolé, mais il va falloir que tu craches l'autre. Ok. Ouais, ok. Je suis con, j'aurais pas dû faire ça. C'est le mobile. Ah, mais non, c'est à 18h30. Ah, je dis de la merde.
Je suis une heure en avance. J'ai très mal joué. Putain, j'avoue que des fois, je le vois poster sur Discord et je suis en mode. Attends. Ok, 1000. Vas-y. Tu joues quoi? Tu joues Monarque? Ouais. Et j'ai une Renette au Grave. Ah putain, info que j'avais oublié. Allons-y. Non mais vas-y. Ça va, t'as pas le seum? Non, y'a pas de soucis. Putain, j'ai très très mal joué. En vrai, j'avais tellement un milliard de trucs à faire de mieux. Et j'ai vraiment niqué mes synergies, quoi. Est-ce que t'as eu l'option de choisir la carte ou c'était random? Non, c'était random. Je vois que ça rigole dans le chat. Vous êtes content quand même des fois pour Monster Reborn. Ça me dégoûte. Et du coup, Renette, elle a été renommée. Je savais pas ça. Oui. Grenouille de l'arbre. Horrible. Personne qui a fait ça, j'espère qu'elle est plus chez Konami. Mais c'était pas Triborn. Si, c'était Triborn Frog avant. Enfin, en anglais, c'est Triborn Frog, mais l'idée, c'est que c'était Renette en français, mais du coup, ça posait problème avec Swap Frog et tout, je pense. Oui, c'est oui, c'était ça. C'est pour ça qu'ils ont. Ils ont rename. Allez, on va jouer à pile ou face, mon pote. Attends, c'est quoi ça? C'est en gros, je joue à pile ou face. Et si je gagne, ton monstre il passe à 0. Si je perds, rien ne se passe. Et à toutes mes stand-by, je dois payer 500. Non, mais je me fais baiser en fait. T'as frappé deux petites mouches là. Entre ça, le reboard. Ah, ça va, jusqu'à la fin du tour, ça va. Ça va. Ah oui. T'as deux doigts de te demander une clope là. On va jouer un jeu marrant. Bon, tu verras, j'ai très très mal joué, mais on s'en fiche. On va jouer un truc marrant. Ah ouais, mais. Ouais, tant pis. Et on y va. On y va. Vas-y. Ah, très bien. Un petit lava golem. Mais vu que le compte à rebours n'est pas assez conséquent, on va jouer un canon ondulatoire. Oh putain, donnez-moi Mobius. Oh non! Oh le con, il a sacrifié! Il a sacrifié! Le con! Oh la boulette! Ah, écoute, je suis un joueur professionnel. Oh merde! Ouais, je vois activer l'effet, je fais ah bon, il faut le déclarer, tu sais, genre j'en sais rien, tu sais. Du coup, je prends 1000, et du coup, à chaque tour, je vais potentiellement pas te toucher en fait, c'est ça l'idée. Potentiellement. Ok, on va essayer. Oh de le maillet, bien joué. Putain, j'ai tout niqué avec mon canon ondulatoire. Pas compris ce qui vient de se passer. En fait, le canon, à chacune de mes stand-by, il prend un compteur. Et je peux l'envoyer au cimetière pour infliger 1000 points de dégâts fois le nombre de compteurs à mon adversaire. Sauf que du coup, je l'ai activé, il avait 0 compteur, je l'ai envoyé au cimetière. Merde. Ok, ça va, tu prends 3000. Ouais, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très très vite. Est-ce que c'est le moment de toucher un deuxième golem? Ah oui, on va payer. Tralala, tu vois là mon canon, il avait un compteur. Si je l'enlevais, j'infligeais 1000 quoi. Mais après, moi aussi, je vais jouer avec le destin là normalement dans la game. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est maintenant Vince. Oh! Ah oui, c'est elle que je devais crafter! La magicienne de la foule. Parce que là. Oh! Là, on va rejouer au dé et je vais potentiellement encore rater. Oh, il va faire le précision. Oh, bah non, mais t'as gagné là. Ah, oh. Dis pas ça, tu commences à me dire. Oh, la petite animation pour Monster Reborn. Propre. Pog. Qu'est-ce qui target? Le monstre. Le monstre? Ouais. Oh, t'es un fou? Comment ça, je suis un fou, j'ai les autres avec moi. On va pas rater 8 fois quand même. Allez.
Non. Joli, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Bien joué. Bien Wedge. Oh merde quoi. J'ai rien pu faire. Mais j'ai trop mal joué parce que j'avais la combo lava golem et roue du cauchemar en main. Et j'ai mis je sais plus, j'ai fait de la merde, j'aurais dû juste mettre. T'avais pas besoin de la mettre sur le behemoth ou à la roue, je pense. Ouais ouais, non non, mais c'était inutile. En fait, je voulais faire en sorte que tu craches ton chasseur de précision, sauf qu'il y avait aucun intérêt parce que derrière je mettais lava golem dessus en fait. Bon, le seul deck avec lequel j'ai pas gagné, c'est héros, donc je vais reprendre héros. Je suis énervé. Quoi, la limite de même carte dans un deck, c'est 3, sauf si il y a une contre-indication de la liste de ban. Exactement. Ah, par contre, si Maxi, c'est une ultra, quel enfer de crafter 3, bordel. Ça va, ça va. J'ai déjà crafté tellement de trucs rétro, là. Ah, et moi aussi, hein. Franchement... Je joue quoi, moi je joue ça. Moi j'ai le héros, si jamais ça peut t'aider dans ce que tu veux faire. Non, bah non, mais... Le but c'est pas que tu me donnes ma formation. J'avoue que les petites animations elles font plaisir quoi. Ouais, je sais pas si dans 6 mois je serai encore en mode ça fait plaisir. Non mais oui, quand tu les enlèveras. Un bon 25 parties, tu sais. Bien sûr, tu les enlèveras. Surtout quand tu spam un deck quoi. Comment? Tu peux, tu crois? Bah à mon avis ça doit se faire, non? J'espère. Mais du coup, tu connais un peu mieux les cartes que moi, parce que là, en gros, j'ai plein de gens qui débutent. Ouais. Qui m'ont dit quoi faire avec l'équivalent des 2000 gemmes qu'on a au début. Je leur ai dit passe de combat et bundle avec Orage Foudroyant plutôt que Ash Blossom quand tu commences. Est-ce que c'est bien ou... Ouais, après, c'est un choix, parce que Ash Blossom, elle est forte en going first et going second. Alors que Orage, c'est plus going second, quoi. Et vu que ouais, c'est mais des BOA, quand tu commences, Orage, ça aura un impact vraiment tout de suite dans tes games, aller là où tu vas jouer, tu vois. Alors que H, en vrai, quand tu vas jouer contre Dragon Étincelant, tu vas le regarder, ton H, tu vas être en mode... C'est possible. Après, je pense que les mecs vont vite choper des decks, hein. Oui, bah de toute façon, je pense qu'avec toutes les gemmes que t'as gratuites, tu peux choper les 3 bundles très facilement. Mais... Allez, on y va. Le petit typhon. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. On sait quel deck des 3. Le synchro parce qu'il y a Typhon. Allez, à toi. Attends, c'est quoi ça? Oh bordel. C'est Jirai Kubo. Oh bordel, ok. Qu'est-ce que tu fais face à Jirai Gumo, mon pote? Je te jure que je fais pas grand-chose, hein. Il est frais, hein. Ouais, enfin bon, à chaque fois que je tape, je joue à pile ou face. Si je perds, je perds la moitié de mes points de vie. Bon, j'ai déjà vu mieux, hein. Ah bah c'est pour ça que moi je veux que tu tapes. C'est plus RNG que Yogg-Saro. Non mais ça va, c'est parce qu'il a, il le veut, que c'est pas une carte qui est jouée, vous inquiétez pas. Allez, vas-y, on y va. Pile ou face, celui qui gagne, il pioche 2 cartes. C'est quoi ça? Coup de chance, ça augmente tes chances, c'est ça? En gros, je peux résoudre 2 fois le lancer de pièces. Si je comprends bien. Voilà. Non mais y'a pas de soucis, j'adore jouer contre des cartes comme ça, c'est genre c'est pas du tout le truc qui me trigger quoi, c'est... Oh, quand je joue contre des cartes comme ça et qui me regardent en souriant, je suis en mode ouais, oui, oui. T'aimes pas la RNG, c'est ça? Oh non, tu joues Hearthstone, je... Ah, il fait un truc quand il tape les monstres en def lui, non? Ah non, pas du tout. En fait, dès qu'il tape un monstre, il joue à pile ou face. Et si je gagne, je détruis le monstre par effet. Ah, oh, je suis joueur en vrai. Ah oh ouais, je suis joueur. Ah mais t'as 2 chances. Putain, je sais pas si continue ça. Non, t'as pas 2 chances, c'est une pure chance ça. Peut-être, je me suis peut-être trompé. Une fois par chaîne, si un effet de monstre est activé, qui lance une pièce. Ah, c'est un effet de monstre. Ok, d'accord.
Yes! Putain, ça a marché, quel enfer. Hop là. Bon, vas-y, puisque je suis joueur. Tu sais que là, je perds 2000, je perds 4000 points de vie, hein, si je perds le lancer de pierre. Ça va, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Ok, de voir. Attends, ça se déclenche quand même, ça. Ok, ça déclenche un blockchain, je savais pas. Ouais, non, c'est bon. Ça. Ouais, mais je vais pas, je vais quand même pas résoudre l'effet de Jerry Goomon. Si. Oh putain. Ah, si tu prends un petit moins 4000 dans les chicots là. Ah, parfait. Eh, super cette combo. Oh merde. J'adore. J'adore. Oh merde. Inside. Bon bah, on kiffe. L'effet de chain est stylé, ouais. Ouais, franchement, c'est beau. Et nous, on fait du Yu-Gi-Oh! Champagne. Hein. C'est le spectacle avant tout. D'accord avec ça. Ok, je vais faire un O. Permet d'invoquer Clayman, le bras droit de Domingo. Énorme blague. On fait ce qu'on peut, hein, tu sais. C'est... Oh, c'est chiant ce que tu fais. Ah voilà, c'est... là j'aimerais que ce soit chiant, ouais. Et je vais péter les deux autres du coup, si je me trompe pas, ça marche comme ça. Possible. C'est possible que tu me dis, tu sais très bien que ça marche comme ça. Ouais, j'ai un petit cylindre magique qui est parti au cimetière quand même. Une petite ultra rare là. Attends, c'est que quand t'attaques ça. Ouais. Oui, non, si il combat. Ah non, oui, c'est celle-là, oui. Pardon, je pensais que tu parlais de cylindre. Sa mère, putain. Ok. T'as conseillé de prendre quoi en départ? Synchro. Mais en vrai, je crois que vous récupérez les deux autres plus tard. Bon, t'as 2000, c'est chiant. On fait ce qu'on peut. Hein, ça... Allez, on c'est y va. C'est la crise. Hein. On y va. Non, mais encore non, mais... On y va. Oh. Allez. Ça fait deux fois. Hein. Allez. Ah bah ouais, mais bon, après, t'as du talent ou t'as pas de talent, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais. Non, mais je comprends. Non, y'a pas de soucis, je passe à mon moment. Ouais. Ouf. Là c'est le moment où tu me dis t'es pas passé loin là. J'avoue. Ah, je me suis dit contre un tel champion je suis obligé de jouer avec la chatte quoi. Pour pouvoir gagner quoi, c'est ma seule chance quoi en fin de compte. Alors Vince. En vrai, je suis pas frais, hein. Avec la force que t'actives des pots de cupidité, là, je fais un peu la gueule, hein. J'avoue que le CA est pas mal. Surtout, Heroes, le problème, c'est bah, dès que tu fais des fusions et que tu te prends une Sakuetsu sur la fusion, t'as fait du moins 3000, c'est chiant, quoi. Y a absolument plus rien derrière. Ça, c'est bien. En vrai, je découvre des cartes. Tu vois, par exemple, ce deck Casino, je le joue dans Club Yu-Gi-Oh! Mais là, je l'ai créé avec les viewers et ils m'ont fait connaître des cartes que je connaissais pas. Très sympa, hein, ces viewers qui ont fait ce deck. Hein, je t'aime beaucoup. Ça va, ils m'ont aidé. Oh non, mais... C'est le type de carte, moi, qui me déplaît. Tiens, est-ce que quelqu'un sait chez toi comment on récupère le compte sur la Switch? De Switch à PC? Bah, moi, ce que je me demandais, justement, c'est comment ça se passe. Parce qu'on te demande jamais de donner ton ID, un mot de passe ou whatever. D'accord, ouais. Donc, j'ai l'impression que l'histoire de cross-platform, pour l'instant, à moins qu'on m'explique comment on fait, c'est compliqué. Ouais, moi, je vois surtout que tu te fais baiser, hein. Non, mais pas de soucis. Non mais, est-ce que t'as peut-être une troisième coupe des As, peut-être? Écoute, hey, tu peux pas me reprocher de l'avoir tenté, parce que
Le ah moment, non, clairement, parce que le si moment t'avais raté, t'aurais perdu. Le moment où je gagne, je fais du plus 1, toi tu fais du plus 2. C'est 100% power cette carte. Alors, directement, je fais plutôt du plus 3 en vrai, mais ouais. Et du coup, tu perds une carte, j'en gagne 2. C'est vrai. Il est vrai. Oh, le matheux, quoi. Mais qu'est-ce que je peux piocher là en fait? Surtout que Madame Juge, elle est intéressante. Elle peut négater un effet. Ouais. Est-ce qu'il y a Miracle dans mon deck? J'aime pas. On peut copier des decks quelque part, oui. Oui, oui. Ce héros ne veut pas gagner, je vais concéder. Oh là là! Terrible ce deck. Terrible! Bon, fais la belle. Je reprends le héros, je m'en bats les couilles. Faut que j'arrive à gagner avec ce deck. Tu reprends le héros? Attends, je vais regarder si j'ai pas un autre deck, moi. Alors, pour le ID, c'est Start Transfer Konami ID. Non, mais ça, c'est avec... C'est où, ça? C'est où, Transfer? Code Konami avec le QR code. Ok, bah, j'ai pas trouvé, moi. Donc, intéressant. Donc, c'est-à-dire c'est jouable. Il y a... Par moi, il y a moyen. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'il y a moyen. Sinon, ça perdrait un peu son intérêt. Est-ce que Phoenix Enforcer est dispo? Bah ouais, je le jouais, là. Sauf que je l'ai pas posé, j'avais pas de feu. Ok, c'est un QR code à scanner, apparemment, pour ceux qui veulent essayer. Un QR code, ok, j'ai pas vu où c'était, mais... Ah oui, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, si tu dépasses un nombre de gemmes un trop grand, t'as vu, ils te les mettent de côté et ils te les rendent après. Je sais pas si ça t'est arrivé tout à l'heure. Possible. Possible. Bon, vas-y, il va gagner ce deck de mort. Là, tu pourras rien faire contre mon deck, je crois. J'aime plus ce que je joue. Comment ça joue Dragunité? Je comprends rien. Ah bah, si t'as jamais joué et que tu joues Dragunité, héros. Pourtant, c'est facile, hein. Enfin, à mon époque, c'était tu mettais Phalanx au cimetière, tu posais n'importe quelle Dragunité, il équipait Phalanx, il faisait un 5 en 8. En passant par Vajrayana. Ça a peut-être changé. Ah, mais toi, tu dis c'est facile parce que. Non, mais vraiment, c'est trop bon. C'est vraiment, tu mets. Non, mais tu mets un Phalanx au cimetière et tu le réinvoques à tous les tours. C'est. Merci, Black Silveria. J'active un roi du marais super rare qui m'a coûté les yeux de la tête à crapper. C'est une SR? Roi du marais? Ouais, c'est une SR. Horrible. Je sais pas sur quoi ils se sont basés pour faire les raretés. Mais au début, je voulais faire le sabre X que j'avais mis dans le truc des clubs Yu-Gi-Oh! Ouais. Mais il y a genre que des cartes rares. SR, Ultra, genre j'étais en mode mort. Ah ouais. Genre Fall Troll était en super, Dark Soul était en super. Enfin. Bon, il joue toujours héros. Enfin, ça y ressemble. Ah oui, t'as fait roi des marais, donc oui. Trop phase. Je passe ma vie à passer mon tour. Alors moi, j'ai envie de faire un peu de CA. Super. Oh, tu as repris Exodia. Super drôle. Ah non. Je suis trop heureux. Bon, de toute façon, c'est ton monstre à deux cœurs, hein, c'est sûr. Ouais, enfin... D'accord, ok. C'est quand même Parchat, on va le respecter, okay. Il a une histoire. Est-ce que c'est pas la meilleure carte du jeu, Parchat? Il a une histoire, Parchat, il a une histoire. Tu sais qu'elle est sortie en secret? Elle est magnifique. Genre, je l'ai en secret, elle est... Moi, dans ma tête, c'est une ultra LOD, hein. Ah ouais, en ultra. Ah, je l'ai jamais vu en ultra, putain. Bah ça a rareté d'origine, quoi. Ok. LOD? Il me semble, ouais. Je suis pas sûr, en vrai. Ça a rareté d'origine, c'est ultra, ça j'en suis sûr, et l'extension, j'ai un léger doute. Alors Vince, qu'est-ce que tu fais, là, à part discuter, là? Tu fais rien, là? Là, j'ai le seum. Et du coup, je vais attaquer avec ça, parce que j'ai vraiment le seum. Mais marre. Ah oui, non. Il est vraiment marre de mes créatures, là. Tu as vraiment attaqué avec ça? Bien sûr, j'ai vu un Scale Angel. Oh, merci à toi. Soucis, pas de soucis, c'est pour moi. T'as...
Ah, il faut des couilles un peu pour taper à 1000 et à 800. J'avoue. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais plus rien. Je passe. Putain, il veut vraiment jouer son héros. Oh putain. Ouais, il y a une carte qui me mettra en PLS là, c'est Christian. Si tu mets la Christian dans ton deck, c'est un enfer pour moi. C'est fort. C'est fort. Je te cache pas, c'était pas prévu. Genre, Christian, c'est SR ou UR. Deux signal héros? Ça fait quoi? D'accord, ok. Ah, ok, c'était un double bait. Oh, il est en train de ref là. J'avoue, j'ai même pas fait de harpie rétro. En fait, je ref par rapport à comment ça se passe. Mais normalement, c'est bon. Putain, ça joue ici, hein. Non, on s'entraîne, on est là. On est là. T'as fait un deck autour de Tornado Wall dans Club Yu-Gi-Oh! Tornado Wall? Le mur de tornade? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Je suis en battle phase, moi, bon. Oh, mais... Je suis con. Qui a fait un effet de lui... En vrai, j'aurais pu prendre Océan aussi, c'était pas mal, mais... Tiens, tu peux lever une carte dans la main de ton adversaire en cliquant dessus pour la garder levée. Ah non, quand tu cliques à côté, elle se baisse. Alors, qui on peut faire là dans tous ces monstres machins là? J'ai pas Sparkman en fait. En fait, tu fais de la merde. Ok. Oh mais non, il détruit ma sphère. Mystique lumineuse, non. Que vais-je faire? Juste poser ça. Ouais, fais genre juste poser. Oh, c'est une carte tranquille. Et Sakurezu, c'est une commune. Ah là, dans les decks qu'on joue, Sakurezu, c'est insane, non, c'est bizarre. Ouais. Vas-y, on accélère un peu là. J'en ai marre. Ah ouais, non, mais y'a pas de soucis. Ludo, elle est tellement bien comme carte, j'adore. Pas de soucis. Je pense quoi cette carte? Quel bâtard! Oh, le bâtard, il l'a crafté! Elle était dans le deck, hein. Moi, j'ai les points d'exclamation d'église dans ton chat, hein. Quel bâtard! J'ai trop le seum. Doc Seven dit qu'il arrive pas à passer Silver 4. Tu sais, il dit ça, t'as l'impression, ça fait 3 jours, il tryhard. T'es genre, t'as, j'arrive pas à passer Silver 4. Il est officiellement Hardstock. T'inquiète, Doc, faudra déjà que tu m'affrontes avant de pouvoir essayer d'aller au-dessus, quoi. Je suis sûr, il va me laver avec son deck en plus. Hop. Alors. En fait, le deck a 0 refill, c'est ça le problème. Dès que t'as perdu tes créas, c'est mort. L'aura gagné sur 3, il m'a détruit. Ouais, mais j'aurais dû le faire un tour avant. Je t'avoue que je suis pas très bien non plus, hein. Tu peux faire mon Exodia incarné dans le jeu? Ouais, bien sûr, Xavier. Ok. Genre, moi, je peux... Je sais pas si je peux bientôt le crafter, mais... J'ai déjà les cartes principales. Quel bâtard!
T'as un bouclier drainant, quoi. Ah, bah, j'ai pas mis que des cartes... Oh, c'est pas un reproche. Hein. J'ai pas mis de force de miroir, moi. Oh là là, ça y est. Je rigole, elle était dans la liste. Oh, je sais très bien, je sais très bien. Doc, il nous dit que c'est cool sur le ladder, pour l'instant, il y a un petit peu de tout. C'est plaisant à jouer, quoi. Genre là, je pense que c'est le timing où les gens, ils ont séché le mode solo et ils ont des starter decks un petit peu plus, quoi. Et du coup, c'est cool. J'avoue que j'ai pas fait encore une seule partie de ladder, pour le coup. Putain, je suis dans la sauce, là. Moi ça va, j'ai l'impression. Après t'as peut-être un pour autre Pour l'instant ça roule toi. Y'a pas beaucoup de cartes pour un début de jeu, y'a tout les gars. Franchement, je vois pas d'archétype que t'as envie de jouer qui est pas dans le jeu. Ok. Eh, t'as peut-être un Hyperion. Un quoi? Non, t'aurais joué des agences, t'as vu des Hyperion. Je connais pas Maître Hyperion. Oh non, c'est de l'autre côté que ça joue. Ah non, je croyais que c'est quand t'avais moins de points de vie que ton adversaire. Ah oui, là, tu... Ouais, tu suis dans la colle, là. Le hint est réel. Oh non. Le hint est réel. Putain, mais j'avoue, bon, trop fort avec ton Stratos, quoi. Bon, c'est Océan qui fait tout, hein. Ouais. Ouais, mais si je peux pas le gérer... C'est pour ça que j'ai pas tapé le tour où je l'avais posé, parce que s'il y avait une Saku, ma game était morte. Si, Mange, t'es mort, là. J'avais un bouclier. Oh oui, Mange, t'es mort. Aïe, aïe, j'ai le seum. Bon, de façon, là, le comeback était difficile, là. Y a ma carte sur le côté qui BM, là. Hop. Ah, comment tu fais? Tu cliques dessus et il fait un truc. Oh ouais. Tiens, je crois qu'il sort des jumelles. Encore un bouclier drainant, vas-y, va te faire foutre. Vas-y, va bien jouer, hein. GG, ouais. C'est bon, il a gagné le deck. Vas-y, tape-moi, genre fais-moi mal, vas-y. je vais pas surrender. Je te laisse ce plaisir. Putain, j'ai pioché gratte-ciel, quoi. Et je joue Gorz. Bon, je meurs quand même. Sous Gorz. Putain, Gorz, la carte à l'époque, quoi. Carte mythique. Bon, bah, c'était bien sympa. Carrément. Merci à toi, Vince. Ouais. Mais écoute, merci à toi. Les gens sur le chat, si vous voulez continuer à voir du Yugi, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Zul, qui va continuer à live jusqu'à je sais pas à quelle heure. Là, j'ai pas prévu de dormir jusqu'à dimanche 9h30. Je rigole. Non, c'est pas mal, je... Non, c'est pas... Tant que je m'amuse, tant que ça avance, je continue. Après, je verrai quoi. Il se peut que je fasse une pause pour faire du YouTube ou je continue, mais Sardoche a commencé comme ça. Hein. Il parlait de petites pauses faire du YouTube, puis après il faisait des lives 50, 60 heures. J'avoue. Non, moi j'ai pas la santé pour ça, c'est pas possible. En tout cas, merci à toi Vince. Vous pouvez aller checker. Ouais. Voilà, Vince sur son live. Enfin là, il a fini, mais sur Solari, tu fais de temps en temps du Yugi. Tu vas faire de temps en temps du Yugi, mais là ou pas du coup? Parce que tu faisais du Duel Links, mais. Bah, Duel Links, c'est l'OP tous les jeudis. Après, on verra si en fonction de comment ça prend Master Duel et si les gens aiment bien, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a plu. Bah ouais, après, bah, c'est le premier jour, c'est difficile de juger, mais en tout cas, pour une sortie de jeu Artifact, qui n'est pas annoncé. Pour une sortie de jeu. Non, j'avoue que sur ça, faut le dire, ils sont mauvais, quand même. Je sais pas ce qu'ils ont fait, gros. Ils ont sorti un jeu en scred, en mode, on n'a pas envie que ça se voit. Bref, moi je te laisse là. Je te souhaite une bonne soirée. Éclate-toi bien, je passerai tout à l'heure. Ça marche, merci à toi Vince. Ciao. Et salut Kouev qui est là sur le chat. Salut à toi. Là il me reste 91 heures. Ça va. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Doc il est dispo là? Parce que Doc, je l'ai entendu parler là tout à l'heure. Est-ce qu'il a une dispo? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? En vrai, si le ladder est re-open, remonte ton deck, je finis mon duel et j'arrive. Genre remonte ton deck, comme si
Comme s'il était nul à chier. Non. Non, je veux surtout pas faire ça. Ah, mais j'avais un autre deck rétro en plus. On va enlever ça. Putain, j'ai quand même un access code, quoi. Gouttelette. Interdit. C'est une UR. Ah, je peux craft de la UR, là. Qu'est-ce que... ça, je vais enlever... Zeus. Une UR. Allez, hop. On craft, hein. On craft. Ça, j'ai pas besoin. J'ai remis mes dames harpies une. J'en ai trois, c'est bon. Alors, le démonté plus 10 et moins 30, ça signifie quoi? Alors, en fait, tu peux détruire une carte. Et suivant sa rareté, elle te donne 10 points de sa rareté. 10 points de super rare, par exemple. Et pour crafter n'importe quelle carte, il te faut 30 points. Donc, tu décraftes 3 super, t'en craftes une super. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est assez simple. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Je regarde comment je peux build cette harpie. Non, mais en fait, harpie, là, je peux tout faire. C'est quoi les packs value à acheter? En vrai, ça dépend ce que tu veux monter, mais dans le shop, attends. Pour moi, ce qu'il faut acheter si tu veux faire du ladder, c'est ça. Plus ça, tu vois. Parce que Headlish, Tribrigade, c'est méta actuellement. Et en plus, ces cartes-là... tac, 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 liste des cartes. Ces packs-là, il y a 80 cartes. Donc t'as vite fait le tour. Ah ouais, mais après t'as pas tout... Ah, t'as pas tout, Tribrigade. Ah. Oui, parce que ça, c'est trois cartes de base des decks méta. Mais en vrai, ça aussi... Ouais, en gros, t'as quand même pas mal de cartes, hein. En fait, quoi qu'il arrive, tu vas devoir crafter, en fait. Donc, faut regarder les listes, quoi. Mais faut faire le solo, tu gagnes 1 milliard de gemmes. Bon, comment on build l'harpy, là? Attendez, je vais changer vite fait ma boîte. Ok, j'ai rien d'autre. Les trois cartes de mon deck, c'est ça. Ça. Et la statue. La statue, elle est où? Elle est là. Bon, je pouvais mettre la piège aussi. Bon, je sens qu'il va me laver le cul, l'autre, là. En vrai, je pense que le... Pour grain le ladder, je pense que le terrain harpy il est pas mauvais. C'est où? C'est là. Je peux en mettre qu'un. Je vérifie, ça c'est bon. Ah, je sais pas quoi mettre d'autre. Dragon de la tornade, une ultra. C'est pas ce qui nous sera le plus utile, mais je vais mettre Chidori à la place. Hop là. Allez, hop, je vais tout mettre, hein, comme ça. On sera full, hein. Euh...
guerrier ancien. Guerrier ancien, il est où? Il est où? Si je parle dans mon micro, c'est mieux. Mais je suis le roi des... Hein, je tape Exodia dans la recherche, il trouve aucune carte. J'ai envie de péter mon crâne. Attends, attends une seconde. Je crafte ma carte et je regarde. Je vais chercher tout de suite dans les links. Hein. Là. C'est une UR. Ok. Ok. Il manque une carte. En vrai, il me manque un Shureg. Mais ça, même, je le joue pas. J'ai plus de place que ça, normalement. En fait, c'est parce que... Oui, non, il faut... En fait, il faut taper interdit. Si tu veux trouver Exodia. Faut que tu tapes interdit, en fait. Parce que Exodia, c'est... en fait, il faut que tu mettes avec les accents. Si tu manques un accent, tu le trouveras pas. Si tu mets Exodia, ça marche pas. Tandis que si tu mets Exodia avec un accent, là, tu l'as. C'est ça, ton problème. Et vous pouvez mettre des cartes dans vos favoris hein, pour les retrouver ici, pour deck build plus rapidement. Ah, je devais faire un Apex. Ah non, tu vas pas jouer à Apex maintenant. Hein. Non mais... Bon Doc, t'as séché ou pas là? Ah c'est bon, je suis Silver 3 là. Ouah incroyable. Une carte à piocher, j'ai pioché ma joue, j'ai tapé à 12 000. Le gars l'a fait, ah ok. Ah ouais. Zul, toi qui es un expert des ordinateurs. Oula, ça commence très très mal. Comment je fais pour mettre mon jeu en plein écran sans aller dans général mode d'affichage? Alt entrée. Y'a pas un truc clavier? Alt entrée. Alt et quoi? Alt entrée. Ça marche pas. Après, si t'as d'autres questions, quoi ça marche pas? Bah vraiment, alt entrée. Ah ouais? Oh là là, ça repasse en petit. Putain, génie. Il me dit ça marche pas. Je suis vraiment un boomer, c'est pas possible. Bon, t'es prêt ou je vais acheter des trucs encore? Non, mais vas-y, c'est bon, j'ai pas tout, mais ça suffira pour te laver. Y'a pas de problème. Parce que mon deck il est pas parfait non plus, hein. J'ai pas fini de tout prendre, mais. Oui, de toute façon. On va dire. Oh, vas-y, Doc! Tiens, ça fait combien de temps qu'on a pas joué ensemble? Oh, c'est clair. Attends, faut que je ferme ton live, sinon je vais tricher. Ah, ouais, sinon c'est de la triche. Hein. C'est. Bon, vas-y, je sais pas comment on fait pour ajouter et tout par contre. Eh bien, regarde, je